Losing to any mid laner sucks, but it would suck more depending on if they're your close friend or not. Bjergsen, I've known the guy since he first moved to LA, actually, before he was announced for TSM. In comes this new kid, right? And then the first two seasons, I'm pretty sure we stomped them. You know, I would hate losing to him, and thankfully, I didn't lose him very much. Look at how frequently he's using that aggressive. The flash, the ignite, the chain, and the kill from high. Big plays from high. I have a long history of beating him in the beginning. There's a TF ult. Bjergsen's gonna get stunned. He's gonna get stunned again. And down he goes. Cloud9 finds the pick. And then, you know, something changed. And now I've lost for a very long time against him, actually. Teleport 2 on this one. He will only get one in the shockwave on the side of Bjergsen. They lock down high. Protobelt only hit about 2 of the missiles. Emo play goes down, flash forward, tides of blood washes high away. For me to lose Bjergsen's always a sad time because I want to show that I can still compete with him, that I can still play versus him, and that I can still win against him. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, re-bienvenue peut-être si vous étiez sur le pré-show pour ces LCSNA, 4ème semaine, 2ème jour pour le premier match où Nisqy va jouer, Noah. Eh bien avec un petit Nisqy effectivement qui sera eh bien, de la partie. On va pouvoir voir bah, déjà si le joueur s'est bien acclimaté de son nouveau milieu. Oui. Effectivement, parce qu'il y a eu quelques soucis, hein. À la base il avait dit qu'il devait jouer Week 3, on espérait le voir jouer face à TSM la semaine dernière. Malheureusement ça ne s'est pas produit, et d'ailleurs oui, pour l'anecdote, c'est vrai que comme t'as pas vu l'année depuis longtemps, les CLG ont changé de couleur, depuis hier soir ils ont un maillot violet. Avec Nono ça nous a surpris, je me devais de t'en parler. Ben non mais je vois, on parle des choses importantes. Non effectivement, j'ai pas une grande habitude DNA, d'ailleurs je vais me laisser guider par leur douce mélopée de game. J'espère toujours que la beauté, la volonté du col Nashor est encore présente. La dernière fois que j'ai vu un Nashor magnifique, c'était dans le BO C9 EcoFox. Les EcoFox dominent la game, prennent 8 kills, ont 4000 gold d'avance à 20 minutes. Ils sont face à un Jarvan et un Kennen. Que peuvent-ils faire? Réponse A. Tenter le Baron Nashor face à 2 piques avec beaucoup d'AE et 4 adversaires en vie. Réponse B. Continuer de snowball l'avantage en prenant des tours. Qu'ont-ils fait? Moi je pense qu'il faut dive à la fontaine. Ah, c'était la réponse C. J'avais toujours une réponse C. Ils ont pris la réponse A, ils ont fait le baron à 21 minutes, se sont fait éclater et ont perdu 2 minutes après. Allez, alors on ne couvrira pas le match donc opposant voilà, opposant Aïe à Bjergsen. Mais voilà, ils sont dans nos cœurs avec Aïe qui a l'air de l'avoir un petit peu mauvaise, de se faire éclater par Bjergsen en boucle depuis quelques mois. Bah ouais, il expliquait qu'au début, justement, à l'arrivée de Bjergsen en NA face à TSM, il gagnait à chaque fois avec les Cloud9 à l'époque. Hein. Maintenant, petit à petit, les TSM sont revenus à niveau, ont réussi à dominer tout simplement la Ligue NA. Et ils éclatent tous leurs adversaires dans la globalité. On revoit quelques moves, justement, Immortals face à CLG. Et ça a été le souci. Alors Codison qui est plutôt bon sur sa Kalista, mais pour moi Codison en fait, un petit peu comme Stixay, ce sont deux carrières qui sont d'un bon niveau, mais pas incroyable. Tu sais, c'est pas eux qui vont faire les games. Là où Stixay l'année dernière, pourtant MSI avait été brillant. On est maintenant sur des carrières qui sont bons, mais c'est pas eux qui vont porter les games. Et ils sont accompagnés de supports exceptionnellement doués. Et ces supports, Olé et Aphromoo justement, c'est eux qui depuis qu'il y a l'arrivée des supports un peu mécaniques, des supports carry dans le jeu, prennent le relais et justement vont commencer à carry. J'allais faire des grands signes à Cosby en disant on est là. Et j'ai été vu par la caméra. Biofrost en parlait en sujet d'ailleurs il disait que depuis qu'il y a l'arrivée maintenant de tous les supports Blitzcrank, machin, Rakan et tout, l'avantage c'est que les gens, les spectateurs, le public commencent à voir le travail de support, parce que quand tu joues Karma, quand tu joues Zaira, et encore Zaira c'est acceptable, ou Lulu, les gens ont du mal à se rendre compte en fait de l'impact d'un bon ou d'un mauvais support, que là forcément quand t'as une engage de Rakan, quand t'as un grab de Blitzcrank ou une cache de Morgana, tout de suite tu le sens beaucoup plus. Non mais je préfère un peu moi cette méta au support, la prime à l'engage en fait, du support un peu tanky qui va faire office d'off tank et qui va avoir beaucoup de piles et une grosse force comme ça. Moi c'est quelque chose qui me plaît, donc mais je dois avouer que j'aime beaucoup la méta en ce moment. Vraiment j'aime beaucoup la méta en ce moment qui est dynamique, avec des top laners carry, avec beaucoup de styles de jeu disponibles et beaucoup de façons de jouer, pendant que là on voit de la Nida jungle. Voilà, c'est-à-dire que c'est assez ouvert, sachant qu'il y a Rek'Sai hein, qui est beaucoup revenu sur le devant de la scène. Ouais, qui a été up d'ailleurs au niveau du patch 7.12 sur lequel on joue cette semaine. C'est son ultimate, ce que j'appelle le saut de taupe, qui s'appelle le rush du néant à la base, hein, qui a été up et du coup qui fait un peu plus de dégâts, qui est moins facilement dodgeable. On se souvient en fait la semaine dernière encore au 7.11, tu faisais un sidestep, un petit dash, un flash, tu ne te le prenais pas, maintenant il faut vraiment utiliser le flash, t'as quasiment pas le choix. Et forcément ça rend le perso un peu plus efficace, même si on l'a vu jouer en Corée d'ailleurs cette semaine alors qu'ils sont sur le 7.11. Alors c'est les teams bas de tableau qui l'ont joué, ça n'a pas été très pertinent. C'est pas fou. Mais même honnêtement, hein, même les bonnes Rek'Sai sur le 7.12... pas incroyable pour l'instant. Je suis pas... c'est un bon pic, hein, c'est un bon pic, mais pour moi, ce qui faisait la force de Rek'Sai, c'était notamment son ulti, parce que c'était pour moi la vraie bonne période de Rek'Sai. Alors avant, il y avait forcément la Rek'Sai DPS qui faisait des dégâts scandaleux et qui a été nerf, mais ça a été, on va dire, nerfé assez vite. Et après, c'était la Rek'Sai tank, avec son global qui permettait vraiment de venir TP derrière, faire des engages, décaler très rapidement sur les tours, qui mettait beaucoup de pression, et on a perdu un peu cette Rek'Sai pour un truc un peu all-in. Je trouve que c'est un peu all-in quand même Rek'Sai maintenant. C'est un peu all-in, ça fait un nocturne en moins bon l'ultimate. C'est là où on a conservé finalement la jungle assez safe, le jungle clear rapide, le fait d'avoir encore beaucoup de HP dans la jungle, tout est bon à ce niveau-là, la partie jungle pure est sympa, c'est toujours Rek'Sai de la même façon, mais on a un ersatz d'ulti nocturne qui va moins loin, qui n'enlève pas la vision aux adversaires, qui fait plus de dégâts, parce qu'il y a le côté exec. Mais c'est pas l'essence de Rek'Sai quoi, c'est pas le côté en mode je fais l'engage pour ma team, je suis un gros tank. C'est une réorientation, voilà, c'est un off-tank maintenant, c'est plus un main tank Rek'Sai. Donc... sachant que dans la jungle, alors t'as le choix entre prendre le Kha'Zix, le Lee Sin, la Elise et prendre des pics assez agressifs en early game et qui burst. Et tu peux aussi faire le choix vu que la top lane est maintenant généralement remplacée par un carry, de te dire ok mon main tank je vais le mettre soit dans la jungle, soit au mid, soit en support. Et c'est peut-être pas le choix, voilà, c'est-à-dire que ça remplace un Gragas, ça peut remplacer un Zac, mais c'est pas aussi tanky. Non c'est ça, c'est dans ce cas faut vraiment que la game se finisse assez vite pour que la tankiness que tu as en early game suffise, enfin early mid game suffise amplement, parce qu'en late game forcément tu vas être un peu moins efficace que ces pics. D'ailleurs au niveau des NA, ce qui est intéressant, l'arrivée de Nisqy, on se souvient quand il était en France, hein, qui jouait à l'époque dans les Underdogs justement, il a fait Melty, il avait fait Infamous d'ailleurs, Croc l'avait eu dans sa team chez Infamous, du coup ça a fait Infamous, il y avait Punchline peut-être avant, je crois que ça fait Punchline, Infamous, Melty, LDLC, Fnatic Academy, LCSNA. C'est un beau parcours tout de même, sachant qu'il était... Bah du coup il est sur une fin de carrière en NA quoi. Jolie fin de carrière, sachant que dernière fois qu'il était Underdog c'était à la Paris Games Week en octobre. Voilà, c'est les NA, c'est le cimetière des joueurs coréens. C'est je prends mon chèque et je m'en vais. Bah, c'est un bel avenir, ceci dit. C'est un beau tranquille, c'est tu te mets pas mal. Parce que c'est Rainover, c'est le deuxième plus gros contrat du monde, je crois, après Faker. Ça reste à confirmer, mais je pense que en fait ça dépend, parce qu'il y a son salaire, puis après t'as l'argent, t'as le gain des tournois. Effectivement. Qu'il faut rajouter. Alors oui, il touche effectivement son salaire tous les mois, mais les gains des tournois pour l'instant, il y en a peut-être un peu moins. Voilà. C'est effectivement depuis la fin de Fnatic, puis Immortals, parce qu'Immortals ça a quand même pas mal perf, hein, ou Rainover, ça fonctionnait bien, mais... ouais non mais ils ont toujours le choc. Oui, c'est ça, c'est arrive le moment. Bah en fait c'était des brutes qui roulaient sur leurs adversaires et dès qu'ils tombaient face à des mecs qui arrivaient à tenir et qui avaient plus de macro, ça ne passait plus. Uni était full choke ils ont eu quelques mauvaises échéances, notamment des switches de méta à des moments de playoff. On se souvient Uni qui tout d'un coup forçait de passer sur une méta tank sur laquelle il n'était pas du tout préparé, qui a beaucoup de mal à jouer ne serait-ce qu'à Maokai. Ça leur avait été très préjudiciable, mais donc oui, c'est-à-dire si près du but et pourtant si loin. Ça a été leur problème malheureusement. Et là on voit les CLG Ouï qui disait dans un petit tweet justement comme quoi ils avaient mal joué hier, ils étaient un petit peu déçus, mais qu'ils allaient réparer cela, qu'ils allaient essayer de faire mieux aujourd'hui bien sûr. Alors face au Envy, les Envy, on l'a dit hein, c'est bon, ça a fait un bon début de split, c'est à 3-3 donc c'est correct, effectivement c'est un petit milieu de tableau, pas loin d'Ecofox. Mais Envy, le truc c'est que là ils vont avoir un double. Le Froggen fanboy. Complètement. Il y a Froggen, il y a Looper, il y a Akkadian. Et avec eux il y a deux wards, mais bon. Ils n'ont pas le choix de faire avec. Et le truc c'est que là Envy doivent s'adapter à un nouveau millénaire. Or on sait que sur la midlane maintenant on a des Talia, on a des Galio, donc des pics qui vont vraiment aller donner un gros impact sur la map dans la globalité. Forcément t'as besoin d'une synergie avec tes mecs. Il va falloir la coordination, effectivement. Qu'il est beau, qu'il est incroyable. Mais mais effectivement c'est la question qui se pose, est-ce qu'ils ont eu le temps assez de bosser? Ça fait quoi? Ça fait plus de 10 jours qu'il arrive en NA parce qu'il aurait dû jouer en week 3, il était déjà sur parce qu'au début il y a eu un problème week 1, week 2 c'était problème de visa. Ouais. Après il a eu son visa, on l'attendait en week 3, il a pas joué donc je pense que effectivement Envius a estimé qu'il n'était pas encore prêt et assez intégré à l'équipe. Maintenant on lui laisse sa chance, par contre il faut faire attention parce que pour l'instant Envius ça marche bien. Tyrian, il marche bien. Ouais, c'était tout à fait correct. Hein. Et donc, si jamais Nisqy ne fait pas l'affaire, eh bien, il coupera les oranges sur le banc. Bah, ceci dit, je trouve ça pas mal d'avoir une certaine pression, en fait, justement, au niveau de tes joueurs. D'ailleurs, il y a de plus en plus de structures en NA qui commencent à avoir un roster 10 joueurs via les franchises qui arrivent. Et pour d'autres raisons, on a les Ecofox, par exemple, qui ont déjà 10 joueurs parce qu'ils s'entraînent uniquement entre eux. Voilà, chez Ecofox, ils s'entraînent entre leurs deux line-up. Il faut avoir le budget, mais c'est forcément... c'est forcément un plus par rapport aux autres. Bah il y a ça, il y a Liquid qui vient d'avoir aussi 10 joueurs pareil pour pouvoir s'entraîner entre eux et anticiper le côté franchise justement où tu as des joueurs que tu pourras changer etc. Et c'est bien parce qu'un joueur qui sait qu'il peut être remplacé, forcément il a une grosse pression ce joueur là, il se dit bah j'ai pas le droit à l'erreur et du coup il va jouer à chaque fois à 100%. Enfin, c'est voilà, à la coréenne, on a des dizaines et des dizaines d'exemples en Corée d'excellentissimes joueurs qui passent une demi-saison ou un segment entier sur un banc de touche et qui reviennent sous-entraînés, surmotivés. Après il faut l'accepter, c'est-à-dire que c'est une mentalité, tout de même il faut accepter d'être remplaçant parce que ton coach t'a dit que tu n'étais pas encore au niveau. Bah Profite il l'a accepté, il est parti en EU. Il a pas accepté du tout du coup. Il a vraiment pas accepté Profit pour le coup. Là où Blank... Alors, en même temps dès qu'il joue Blank c'est 100% de win rate, 15 games, 100% de win rate c'est... C'est bah oui. C'est bon, c'est très très bon. Voilà, on pense à Ambition Haru, on pense à Faker Easy One à l'époque, enfin bref, il y a de nombreux exemples. Et ça permet de se train, mais c'est le principe du sparring partners qui était plutôt mis en place du côté de StarCraft, où même si c'est du 1 contre 1, chaque gros joueur avait un sparring partner qui à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, tu venais le réveil, tu disais tiens je vais m'entraîner contre ça avec contre toi, je vais te donner la stratégie, tu vas devoir tout faire pour me contrer, etc. Et à la fin le sparring partner s'entraîne avec les plus grands joueurs, il se fait bâcher pendant 2 ans et à la fin il devient lui-même un grand joueur. Donc c'est forcément une émulation positive que d'avoir ça. Après, je suis assez curieux parce que des rosters à 10 joueurs, on en a vu en Chine, on en a vu en Corée, c'est pas pour autant que ça marche à 100%. C'est-à-dire que c'est un plus, mais il faut réussir à le faire fonctionner. Effectivement, et on est parti dans cette phase de draft, Noah. Alors, Kennen, Galio, Leblanc retirés rapidement en face, Caitlyn, Elise et Zach qui ont été enlevés. Petit first pick de la Rek'Sai, on en avait parlé de ce pick, et Dardoch va officier dessus aujourd'hui une fois encore. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que t'as pas peur d'un Lee Sin. Grâce au Enboro, tu peux un peu calmer les velléités de Q-Spell, dont Sonore. Donc ce sera un Thresh pour Akio, accompagné d'un Varus. H qui a pas disparu, mais qui s'est rarifié. On la voit de moins en moins, c'est assez étonnant. On l'a vu tout à l'heure en EU, mais effectivement, c'est pas un pic si récurrent que ça. Doucement, mais sûrement, elle laisse sa place à d'autres cariadés. Par contre, le fait d'avoir pris Rek'Sai pour Darshan, pourquoi pas, mais son Lee Sin était disponible justement, il est très bon sur Lee Sin Dardoch, ça lui a permis de faire un gros taf. Jhin, oh, le retour de Jhin, on l'a vu hier Jhin d'ailleurs qui était joué en compagnie de cette triple tank avec des Immortals, le Jarvan Galio Gragas, et avec on avait un Jhin, c'était peut-être couplé à un Tam Kench d'ailleurs, c'est-à-dire que t'avais une team quasiment increvable et puis t'avais un Cariadé qui était là, qui mettait des baffes et il était tellement protégé que c'était tranquille. Oh, une Ida pour Lyra, ça me fait plaisir ça Gardoum. Il est bon dessus en plus, hein. Il est vraiment très très bon. Le but ça va être d'aller persécuter Dardoch. Mais ça me fait plaisir parce que c'est des junglers hauts en couleur, surtout, enfin surtout Dardoch. Donc voir cette opposition comme ça avec ses pics agressifs qui permettent des choses. Ça va être sa victime. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il espère, que ce soit sa victime. Et moi, j'ai hâte de voir ce que Nisqy va jouer. Quand il était encore en France, à l'époque, la méta était différente, mais il jouait extrêmement bien tout ce qui était Cassiopeia, tout ce qui était Rise, il était très bon dessus. Après, j'ai aucun doute que le joueur ait pu s'adapter maintenant avec des Talia, par exemple. Un Talia est encore disponible. Ça peut être un pic qu'on verrait qui pourrait justement aller en follow-up du Nidalee assez facilement. Ça peut être un choix de Jace, Fiora, Renekton. On enlève les top laners un petit peu fort. Ça permet aussi, ici, dans ces conditions-là, de sortir une Camille, par exemple. Camille, à partir du moment où tu as enlevé Fiora ou tu as enlevé Renekton, n'a plus de pique qui la gêne beaucoup, étant donné que le Fizz AD n'existe plus. Il reste un Shen, hein. Ta Shen, voilà, ça tient. C'est le pic qui tient. Mais en late, après Camille repasse devant. Ça peut être un choix aussi pris, parce que Seraph est un joueur plutôt mécanique et plutôt bon dessus. Il n'a pas encore joué une seule fois, malheureusement. Alors, pour qui on garde le counter pick chez Team Envy? Pour Nisqy. Et ce sera pour Nisqy avec un Shen. Ils ont laissé le Rumble ouvert et ils prennent un Shen. Normalement c'est instant Rumble hein, chez CLG pour Darshan. Il faut même pas se poser la question. Ils ont déjà de quoi tanker. Ils ont déjà un Tam Kench et une Rek'Sai. Donc sur ce coup là ils sont couverts. Ah, est-ce qu'ils vont prendre... Alors ça, ouais alors ça... En plus Rumble il a été modifié récemment. Oui bah après ça c'est... Soit c'est-à-dire une Rek'Sai top. Ah, pas un Rumble, c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Je trouve ça extrêmement dommage. Après, le combo Jarvan-Rek'Sai est pas mauvais, mais là, ça fait beaucoup de dégâts physiques. Rumble aurait été extrêmement intéressant dans cette compo. Il l'a joué une seule fois pour le moment, Darshan. Ah, il a un bon Rumble. Il a l'habitude de jouer Darshan maintenant. C'est un papa de la top lane. Pour le coup, c'est vrai qu'on avait beaucoup connu Darshan au niveau des... Comment dire ? Au niveau des picks split push à une époque, Rumble ça fait pas beaucoup partie de ce pool de champions. Il l'a joué une seule fois dans le Spring Split, bon 100% de grec à date 17, une fois au Summer pour l'instant, mais c'est pas dans ses picks préférés. Oh le Rayon Sol de Wii. Alors par contre, Nisqy normalement sait jouer face à ces pics là, il peut jouer des assassins, il peut jouer un fils, il peut jouer n'importe quoi qui rentre dans le lard de Aurelion Sol. Et ce sera une Cassiopeia, et ça me rappelle Faker quand il avait joué justement, je crois que c'était face à Ui. Non, c'était face à Maple me semble-t-il. Et Faker avec sa Cassiopeia arrivait à slalomer entre les étoiles. Ouais non, ce move oui effectivement il se fait dive et il arrive à ne prendre aucun hit des météores du Aurelion Sol, c'était assez fou. Alors là on a une belle team de POC et de disengage et de split pour la team Envy. C'est une belle... Ah on en fait plus des comme ça, hein. On est... Ça c'est une draft d'une autre époque. Et du côté de CLG, full face, full engage, full pick-up. Je dois avouer que j'ai du mal à voir comment Aphromoo va vraiment s'illustrer avec son Tam Kench. Je pense que là le pick de Tam Kench face à la draft Envy est pas fabuleux. Non, ça va pas être incroyable à mon avis, puisque malheureusement t'as du DPS déjà dans les mains de Nisqy, t'as Apollo qui fait des dégâts en pourcentage de HP en plus, donc forcément le Tam Kench peut tomber, il peut se faire complètement cesser, il n'y a pas vraiment de gros cessé on va dire à cancel avec le Tam Kench, hein. Il y a les chaînes de corruption, pas de capital, mais c'est pas... ça va pas être trop gênant. Là par contre l'intérêt pour moi avec un Rakan par exemple ça aurait été extrêmement bon, parce que tu as le Cataclysme, tu as le Humberro, tu aurais l'entrée triomphale de Rakan, même un Braum limite aurait été excellent. Tout, un Braum contre la compo POC, un Rakan pour faire les engages, mais là le Tam Kench, il n'y a pas... Alors il y a du pick-up un petit peu parce qu'il y a un grab de trash, il y a une flèche, il y a une chaîne de corruption, mais il n'y a pas un burst fantastique, donc déjà une partie de l'utilité du Tam Kench s'en trouve amoindri. Il n'y a pas un nombre de corps à corps que tu vas venir chercher à la dévoration. Tu vas te faire un petit peu zoner par tous les contrôles et les dégâts de Envy. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Moi je trouve que Rakan, n'importe quoi, honnêtement n'importe quoi d'autre comme Tam Kench, même une Zyra. Ça aurait été bon. Après l'intérêt du Tam Kench ici, il y a aussi un intérêt stratégique, c'est pouvoir follow Ui. C'est-à-dire que lorsque Ui va utiliser son expansion céleste, même pas le truc là pour la comète légendaire, je crois que ça s'appelle, où il passe par-dessus les murs, un petit peu partout, il a moyen d'être backup par Aphromoo. C'est peut-être le seul intérêt ici. Du coup, la victoire des CLG, si on prend en compte cette stratégie-là potentielle, ça veut dire que ça va se baser énormément sur ce que Ui va faire sur sa mid lane. Or, Nisqy face à Aurelion Sol, alors Ui est très bon sur Aurelion Sol, maintenant Nisqy sur Cassiopeia, je t'en parlais même dans l'ancienne méta où il était très bon dessus. Que sur Aurelion Sol. C'est ça le problème. Enfin... C'est OUI, MSI, Aurelion, full pick, full draft, accompagné de Caitlyn, on s'en souvient. Donc c'est sûrement son meilleur, je pense que c'est même son meilleur pick. Oui. Je pense aussi, je crois qu'il a pas ou peu de défaites avec Aurelion Sol en l'occurrence. Non, il a des très très bonnes stats. C'est 100% win rate avec 0 mort évidemment sur le summer. Et dans la globalité, on est à 83%. 5 victoires sur 6 games. Ouais. C'est plutôt beau quand même. Plutôt bon le joueur là-dessus. Et encore, ça c'est que pour cette année. Attention d'ailleurs, Wiki est en train de gêner son opposant. Est-ce qu'on pourra récupérer un petit Corbin? Pas du tout. Nisqy qui prend le 1v1 face à Wii. Attention quand même, les étoiles qui mettent pas mal de dégâts. Ah, il perd du temps Darshan là-dessus. Il perd du temps, il gêne un petit peu Nida qui peut être un petit peu low dans sa jungle en début de partie. En plus, il est obligé de forcer la fatigue. Oui, sur Nisqy qui prend l'agression, qui l'intercepte sur son retour de ligne. Alors, instantanément, c'est avec les dégâts d'une Cassiopeia avec la potion de corruption. C'est assez insane, donc c'est un ghost pour une fatigue. Je mets quand même la priorité, l'importance à la fatigue un peu plus, sachant que les deux ont l'assaut du maraudeur. Ça peut être... le combat mid lane va être assez intéressant. Au niveau du top side de la map, l'avantage Jarvan c'est de pouvoir poke un petit peu quand même le Shen, même si ce dernier met sa zone anti-auto-attaque. La frappe du dragon passe au travers. Ouais, bon, après il peut difficilement aller chercher un trade. Bon, forcément Lyra qui a perdu un peu de points de vue en début, qui va devoir kite un petit peu ses creeps, mais sans trop de problèmes. Ouais, Dardoch qui n'a pas été gêné lui par contre. Et pour le coup une Rek'Sai, ça clear assez vite la jungle. A voir si donc Dardoch va faire un petit Tiamat first. Dardoch qui passe dans le dos de Nisqy. Est-ce que ce serait le dépucelage des LCSNA pour Nisqy? By Dardoch. Par Dardoch. Et effectivement il y a un flash hein. Attention la stélogénèse qui va être dodge avec le flash de Nisqy. Il faut faire le tour maintenant, Nisqy n'a pas le choix hein. Il n'y a malheureusement pas le choix. Dardoch qui va permettre à son millénaire de reprendre position. Plus de summoner spell du tout pour le millénaire d'Envy. Il va falloir faire extrêmement attention tout de même, puisque Dardoch est un joueur qui aime bien revenir comme ça, titiller les gens qu'il a déjà embêtés auparavant. Et une Cassiopeia malheureusement, bah, c'est un pic qui en vérité est bien, a un gros scaling, mais au niveau des ganks c'est assez sensible. Bah surtout là maintenant qu'il a plus rien, il va devoir être vigilant. Et il n'y a absolument aucune ward pour couvrir la mid lane des Envy. Donc là il évolue à l'aveugle avec une Rek'Sai qui se balade. Il va falloir faire l'effort. Là normalement c'est le moment où Seraph, il a le push de la ligne. Il accompagne Lyra dans son décalage après son carapateur. Ils vont prendre la vision à deux et si jamais ils croisent Dardoch, ils le démontent en fait. C'est ça, au moins aller mettre la ward, justement celle au fameux gromp hein, qu'on voit régulièrement. C'est ça, pour moi ça c'est une erreur. C'est une erreur, on le voit dans quelques équipes, et c'est une erreur qui peut coûter cher. Parce qu'il aurait pu avoir cette vision, il aurait pu donner cet avantage à Lyra qui aurait permis de all-in un petit peu Dardoch. Et là c'est pas fait, attention Lyra tout de même l'aspire qui touchera pas, on fait perdre du temps au jungler adverse, il y a déjà 10 CS d'avance. Mais évidemment c'est dû au Krug hein, qui ont été faits par Lyra et pas fait par Dardoch. Oh attention le bulbe qui a été deny, Dardoch qui perd beaucoup de temps finalement. Et on a déjà le couteau du pisteur en poche pour Lyra sur la mid lane. La larme de Hades dans les mains de Nisqy. Et on est déjà retourné au combat. Oh le décalage. Le décalage de Wii. Alors est-ce que Seraph est au courant? Il y a toujours un très sérieux manque de map control de la part des Envy sur la totalité de la carte. Au niveau de cette botlane par contre Stixay normalement c'est une cible assez facile pour un trash, enfin facile entre guillemets bien sûr. Heureusement qu'il y a toujours le backup de Tamkench justement. Ah, la peine capitale qui va toucher, on va pouvoir mettre quelques dégâts à Aphromoo. C'est toujours sympa en plus avec un Varus pardon, t'as quand même des dégâts supplémentaires via le passif du Z. T'as toujours l'intérêt de faire des dégâts en pourcentage si vraiment tu le souhaites. Et tu peux deny un petit peu le heal de la peau dure via ta pluie de flèche. Ouais bon après c'est un Tamkench quoi. Il va régène. Il va régène. Ah et le bon travail de Lyra. Dardoch qui n'a pas une seconde à lui en plus. La pink ward à peine posée, déjà détruite. Sur la mid lane, c'est Nisqy qui prend l'avantage avec Wii sous sa tour. On a des lignes qui push et qui mettent la pression. Et ça permet à Lyra de venir chercher, bah, c'est ce qu'on attendait de Lyra avec une Nida contre une Rek'Sai. C'est... De venir dans cette jungle, de venir mener la vie dure à cette Rek'Sai. Tu ne le laisses pas vivre de toute façon. C'est le but. Après Rek'Sai a quand même l'avantage d'être un jungler assez safe. Mais forcément Nidalee est un petit peu plus fort à ce jeu là. Et on sait que Lyra c'est son but hein. Je t'en parlais tout à l'heure d'ailleurs du stuff de Lyra. Là où on voit des Nidalee qui baissent un peu leur froc, Lyra pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est Void Staff, Rabadon, Lichbane, c'est tout ce que tu veux. Voilà, soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas. Et soit tu prends une Nidalee, tu vas full face, soit tu ne le fais pas. Et je ne peux être que très... Enfin j'aime, moi c'est un Nida, c'est un pick que j'adore en... Voilà, Seraph face à Dardoch, le taunt qui va passer le rush, désolé. Oh là là, la punition! Ce counter jungle un petit peu foireux qui vient donner un first blood à Seraph. Pas de vision, pas de backup. Il y va, nature, et il se fait punir, il passe sur les wards. Oh, aïe aïe aïe, la catastrophe Dardoch. Dardoch là, il va perdre beaucoup de temps face à Lyra. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit... Non, c'est un carapateur. Je me suis dit, Lyra en solo sur le dragon comme ça déjà. Non, ce sera le carapateur qui sera sécurisé et du counter jungle surtout. Est-ce qu'on peut mettre une ward et est-ce qu'on peut attendre Dardoch? Est-ce qu'on peut le démonter? Ça push au mid. Il y a Nisqy qui décale en plus justement, qui arrivera en backup, on va revoir le rush des ombres qui va toucher. Mais Dardoch il le voit en plus. Il le voit, il respecte pas, il refait un pas en arrière. Ah, c'est assez étonnant malheureusement. Bon, il n'y a plus de flash du côté de Seraph, donc pas de flash taunt possible. Mais ça fait un first blood, ça fait perdre du temps à Dardoch en plus. Il a énormément de temps. Et là il va sur la mid lane, le stun qui touche sur Nisqy. Il a pas de flash, Nisqy faut qu'il fasse attention. Et il tente le all-in avec Seraph qui arrive, le Sen United. Est-ce qu'on a un taunt à venir chercher? L'arrivée de Lyra, il arrive à trouver le taunt. Et ce sera sur Dardoch qui tombe de nouveau, 0-2-0. La reine de Jarvan, c'est sur Seraph. Il est encore vivant, il y a des shields, il vit. Attention, Seraph qui est prêt à partir ici. Est-ce qu'on pourra le tuer? Normalement, c'est récupéré. Double kill de la part de Darshan. Lyra qui parvient à s'échapper. Akio qui va tomber sous les feux nourris des CLG malheureusement. Les Envy qui se sont bien adaptés, mais les CLG, l'arrivée d'Aphromoo surtout, qui permet de sauver les miches de ses mates. Sans Aphromoo, le move n'était pas du tout le même. Darshan qui va chercher aussi jusqu'au bout le cataclysme avec son flash sur les deux cibles low HP. Et finalement, ce sera la première mort de Nisqy après avoir récupéré un kill. Ouais, ça rééquilibre un petit peu effectivement les débats et surtout Gardoum, c'est 2 kills pour Darshan. 2 kills pour Darshan, 1 pour oui. Mais on est quand même sur 2 pics qui vont avoir un gros impact dans la game. On va avoir un Nisqy qui se prend la stélogenèse, il va se prendre en plus l'arrivée de Dardoch juste derrière. Et là il se retourne instantanément et je me demande au vu de ça, est-ce qu'il aurait pas été mieux limite à flash pour permettre le taunt sur... Il l'avait pas encore. Il revient, il a pas encore. Ah, autant pour moi. Ouais, non, c'est pour ça cette agression, il choisit de face. Et s'il se prenait pas en fait le bump effectivement de Ouhi, où il se prenait le taunt derrière et il se faisait terminer. Le problème c'est qu'ils peuvent pas finir Ouhi là qui fait beaucoup de dégâts dans la mêlée. L'arrivée providentielle de Aphromoo qui vient sauver Darshan. Heureusement qu'Aphromoo a fait l'effort de son décalage. Aphromoo, mais ce génie. Et d'ailleurs il y a une petite floreuse mortelle qui a touché pour permettre d'avoir un assist pour Stixay. Ça permet tout de même un léger avantage de la part des CLG. C'est pas énorme, hein, certes, c'est 200 gold, mais tout de même, on est sur un Aurelion Sol avec oui. Bah, on connaît son pic, on sait à quel point il est fort. Tu disais que c'était son meilleur pic, et en effet, hein, pour moi, je suis complètement d'accord. Le pauvre. Pauvre, oui. Dardoch qui essaie de mettre beaucoup de pression à Nisqy. Il essaie de lui faire passer le baptême à Kuo qui va être prêt à partir. Le rappel de rideau de Stixay, premier shot, deuxième. Le troisième, on va pouvoir placer un stun. Même le quatrième qui va toucher Aphromoo ici, qui touche le stun. Et on va offrir. Bah, Dardoch qui fait le saut de taupe pour aller gratter le kill. Il voulait pas laisser à son carriadé. Apollo qui va être prêt à partir. Darshan qui est présent. On a l'arrivée de oui. Lyra. Apollo qui a mangé la reine. Il a plus rien. Il a plus de flash. Il a plus de heal. Apollo qui tombe. Cette spire qui ne touchera pas sa cible. Je pense que c'était Darshan la cible pour Lyra. Et les CLG Gardoum qui enchaînent extrêmement bien, qui jouent bien en groupe, qui jouent bien, il y a une belle communication. Le shot call d'Aphromoo lié avec la mobilité de Wii, ça fait un gros taf. Darshan qui est présent déjà au niveau de cette bot lane. Après c'est un désavantage quand tu es face à un Shen, t'as pas vraiment peur que ta tour tombe. C'est le Shen, c'est pas un pic qui va mettre beaucoup de pression à une tourelle. Du coup forcément là on récupère la first week, on récupère des kills supplémentaires. Et ça fait le taf justement des CLG, puisque tout à l'heure il avait décalé de nature, hein, Darshan, pas de téléportation du tout. Il était arrivé à pied, ça lui permet ici de venir tout simplement détruire la compo adverse, sachant qu'il y a un dragon des montagnes à récupérer juste après en faveur des CLG. Bref, tout leur sourit pour le moment. Et pourtant Lyra a fait un gros taf face à Dardoch en début de game. Ouais, oui, quelle mobilité. Ah, il est impressionnant sur ce pic, hein. C'est vraiment un très bon Aurelion Sol. Maintenant on a la triade Darshan, Dardoch, Ouhi que tu ne dois pas croiser quand tu es un Envy. Là ils font pas le poids. Après ils ont une équipe qui scale extrêmement bien les Envy. Si jamais ça va mal Eh bien, il faut camper. La bonne camp. Il va falloir camper. Il y aura les 6 items justement sur Nisqy. Le seul problème en late game pour moi du côté Envy, ce sera au niveau de la jungle. Là où justement Dardoch va avoir un gros intérêt avec ses engages potentiels. On aura Lyra qui va essayer d'envoyer des petites piques, mais est-ce que ce sera efficace en termes de dégâts? C'est peut-être un peu plus compromis. Après, l'avantage de Lyra, c'est que si il touche une spire sur Ui, il peut lui sauter dessus et le détruire. Parce que Aurelion Sol n'aime pas les piques qui viennent au cac. Et justement, si la spire touche, on aura un jump amélioré pour Lyra. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Un petit back de Ui, Dardoch qui vient reprendre la vision. On sent que la pression sur la carte est maintenant appliquée par les CLG. Et ça s'est retourné au niveau de ce move sur la mid lane justement. Grâce à ce teamplay CLG qui a fait le taf. Le bulbe de Lyra, on révèle l'adversaire. La taupe ne peut plus se cacher bien longtemps. Nisqy sur la mid lane qui arrive tout de même à tenir au niveau du farm. Il a une petite avance sur Ui. Le problème, c'est le 2-0-3 qui est en face. La peine capitale qui va toucher. Sur Aphromoo, on n'a pas moins de follow-up. La stélogenèse qui passera pas. Nisqy qui se retourne rapidement. La force mortelle par contre qui va le prendre à partie. Ouais, et qui prend un petit peu de cours Nisqy. Je pense qu'il a fait une série de tout petits paix au moment où il s'est pris son serre en se disant aïe. Si jamais le jungler est là, si jamais Dardoch est dans le coin, ça va all-in. C'est bon qu'on a récupéré quasiment tous les sauveurs sauf Apollo. Donc normalement on est dans un temps de jeu un peu safe pour les Envy. Et d'ailleurs ils vont se permettre d'aller chercher la vision, d'aller chercher le combat. Ils peuvent essayer après, il y a Lyra qui met quand même des dégâts énormes, va tenter de counter jungle. Ce red buff Dardoch est à côté, c'est backup par Aphromoo. Et Ui est toujours présent. Ui actuellement c'est un peu le monstre tout simplement des CLG. Les dégâts sont bons, sachant qu'il a que le revolver X-Tech. Mais c'est pas grave, une fois qu'il aura le GLP, ce sera un mini-dieu dans la faille justement. Le dragon étoilé pour venir sanctionner les adversaires. Nisqy attend sur l'expansion céleste. Le gosse qui a été envoyé, le regard de la méduse, très bien, qui stun les deux des CLG, Dardoch, Aphromoo et le flash tout de même par contre du côté de Nisqy. Plus de summoner spell une fois encore pour le millénaire. Ah ouais, bah il prend l'agression, et c'est pas suivi par Seraph. Peut-être un peu de pression du côté de Nisqy pour sa première game en NA. Tu sens qu'il a le doigt sur le flash et qu'au moindre danger il l'envoie. Bah, c'est peut-être un peu excessif. Et les CLG qui en profitent hein, d'ailleurs, ils jouent beaucoup sur lui, on voit Dardoch beaucoup sur la mid lane. Après c'est aussi ça un joueur à LoL, il y a le côté psychologique qui compte. Et c'est utiliser une des forces que peuvent avoir les CLG, enfin utiliser une des faiblesses des Envy et appuyer dessus. Forcément le héros de la faille récupéré dans les mains de Dardoch. 20-16 d'avance hein, pour Lyra actuellement, mais voilà, c'est une Nidalee, c'est bien 20-16 d'avance, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il en fait pour le moment? Pas grand chose. Ouais, normalement là il a tenu son écho runique. Donc là il a un burst, il est en train d'essayer de limoger toute la jungle de Dardoch, qui va revenir un petit peu déçu. Est-ce qu'il y a... Il a la vision, il a l'information, il y a le roaming de Akio derrière. Ah, il est vu Lyra. Il est vu, mais c'est pas grave. Le chapardage a été fait, on dodge la floraison mortelle et il n'aura laissé à ses adversaires qu'un seul creep. On passe maintenant aux 36 d'avance. Après 36 d'avance, voilà, t'as pas le choix. Avec une Nidalee, tu as besoin d'avoir énormément d'avance sur ton adversaire sous peine d'être inutile. Toujours le problème entre les pics ACC et les pics qui n'en ont point, qui sont en full dégâts. Darshan qui a pris quand même pas mal de dégâts, de points de vie. Oula, ce trade. L'arrivée de Dardoch sera top lane. Akio qui est en backup. Flash. Oh, il a eu peur Dardoch. On essaie de se battre un petit peu autour de cette vision. Il y a toujours un héros de la faille qui attend dans l'inventaire de Dardoch. Et qui pourrait être utilisé contre ce Shen au top qui est un petit peu tout seul. Il a pris vers quoi? Vers les 13 minutes de jeu? Oui. À peu près, ouais, ça fait qu'il lui reste 1 minute 30, 2 minutes 30 pardon, pour le poser approximativement 2 minutes 30 justement. Le séculaire qui a été pris du côté de Nisqy, est-ce qu'on verra le fameux stuff qu'on voit en ce moment sur les Cassiopeia? C'est le stuff scaling à 25 minutes où tu prends Morelomicon en 3ème item. Oui, c'est le stuff, c'est le Anivia-like. C'était le stuff de Anivia, c'est-à-dire tu commences par ta tire, tu fais un séculaire et après un Morello, et enfin c'est un Graal aussi avant. Oh, inutile, c'est United, Nisqy qui va chercher oui, le flash out de oui. Est-ce qu'on le suit? On a la vision, on aurait pu. Ça aurait pu être un... Ouais non, pardon, autant pour moi, j'avais oublié à traverser les abysses, il y a une belle lanterne qui vient pop. Seraph qui est abandonné, le flash out de Seraph, on vient le chercher. Le rappel de rideau, et personne ne se met devant lui, il prendra tout de même un heal. On se met à 4 en randonnion pour lui éviter une flèche dans la face. C'est compliqué du côté Envy, personne ne tombe finalement, plus de flash ni de Ghost côté de Ouïe. Le Rolafai qui est invoqué sur cette mid lane. On va essayer de prendre la T1, la téléportation de Seraph ici pour revenir avec quelques HP. Mais la téléportation, il faut la cancel, il arrive. Il arrive, attends, attention, le cataclysme de la part de Darshan qui va prendre Nisqy à partie. Est-ce qu'on peut réussir à s'échapper? Ça va passer. L'arrivée d'Apollo sur le côté. Il y a une chaîne de corruption qui a été lancée notamment sur Aphromoo. Mais on perdra tout simplement cette tour et on n'arrivera pas à défendre. Bonne opération tout de même de CLG. La téléportation de Seraph mais qui passe à un poil. Il arrive mid mais pour quoi faire? Peu de choses malheureusement, si ce n'est utiliser son CD. Après ça évite aussi au CLG de pouvoir continuer aisément sur la T2. C'est compliqué du côté Envy, ils ont du mal, il n'y a que 2000 gold de retard. Mais tout de même, toujours un dragon à les récupérer hein, bien sûr. Le dragon des montagnes qui n'a pas été fait tout à l'heure sur le move botlane des CLG. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on a maintenant GLP, Yumu, bref pas mal d'items rang 1 côté CLG qui peuvent faire un bon taf. Le problème c'est le Jarvan là. Le 16 minutes Black Cleaver Tiamat. Ouf, il fait tellement peur. Apollo il est en train de trembler des genoux. Il a la règle qui fait bravo Gardoum. Donc il va falloir, et d'ailleurs ça va être la top lane maintenant qu'on a pris la T1 bot, la T1 mid. Maintenant on sait que Darshan il va être rejoint et il y a un boulevard qui est en train de s'ouvrir. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de swap lane mis en place de la part des Envy. On envoie encore Apollo au niveau du bot side de la map, on veut absolument qu'il récupère un maximum de farm au lieu d'essayer de contester hein, le swap potentiel des CLG qui sera plus tard pour aller récupérer cette T1 top. Ça pourrait être intéressant, il y a des teams comme ça qui arrivent justement à anticiper les swaps et à prendre la tour avant leurs adversaires. Là pas du tout, on veut juste laisser Apollo tranquille. Le truc c'est que là Apollo il est en train de coller sa tour en attendant que les creeps avancent. C'est une perte de temps sèche du côté des Envy. Je pense qu'il faut ban... Et le chat est d'accord avec moi j'ai l'impression, je pense qu'il faut ban Aurelion Sol. Oui. Contre oui. Mais toutes les teams le font en plus hein. Mais oui mais faut le ban, il est bon sur ce champion. Un peu trop. C'est toutes les teams le font, le ban même en first ban parfois. Et généralement Aurelion Sol c'est un pic que tu as envie de prendre quand tu es red side souvent pour ne pas te faire counter sur la mid lane. Là les Envy ont pris en connaissance de cause. Et le problème c'était pas tant le 1v1 mid hein, parce que le 1v1 mid ça a eu des problèmes pour Nisqy à cause de Dardoch. Mais le problème c'est le roaming de Ouïe qui a fait ici un gros taf qui a donné une belle avance à sa team. Soit t'arrives à lui mettre suffisamment la pression pour pas qu'il décale. Et je pense que en fait un des seuls pics possibles dans le champion pool de Nisqy c'est Syndra. Mais Syndra a été intelligemment ban par les CLG. Donc ils ont retiré un contre naturel de Aurelion. Et derrière, bah oui, il se balade, et voilà, il place tous ses stuns, le GLP, l'esquive de Nisqy. Heureusement qu'il ne mange pas cet ultime, mais voilà, il y a la rotation au top. On va sur la T2 avec Seraph. Attention, on va prendre le troisième sac de Gouaki, ça permettrait la dévoration et le rapatriement vers peut-être son équipe. Le grab qui va arriver sur Aphromoo. La floraison mortelle. On peut s'échapper, ça ira, mais la tour T2 top qui tombe en faveur des CLG pendant que la T2 bot est agressée par la Envy. Le rappel de rideau de Stixay, premier shot, deuxième, ça fera pas énormément de dégâts, c'est pas incroyable pour l'instant. Et une peine capitale malheureusement qui touchera un creep. Ça fait une tour pour une tour. Et une rotation mid, c'est pas fini encore parce que voilà, oui il a déjà préparé le terrain et ce serait probable qu'ils arrivent à sécuriser aussi parce qu'on n'a pas encore le rapatriement de la jungle et de la décarie. Et deux tours pour deux cependant, c'est la D2 mid. Ça devient compliqué pour l'Envy, l'écart de gold n'est que de 2500 sachant qu'ils sont pas encore dans leur power spike, on n'a pas ce fameux Morellonomicon, Archangel. Donc, du coup pour l'instant je dirais que le retard qu'ont les Envy, il n'est pas dramatique puisqu'il sera compensé par les stuffs à scaling. C'est important à prendre en compte. Après en termes de draft, effectivement bon, il y a le Aurelion Sol, il y a le combo Cataclysme Unburrow de Jarvan et Rek'Sai qui peut être extrêmement dangereux. C'est dur en fait au niveau des drafts parce que pour moi il y a Lyra, Lyra aussi bon qu'il puisse être sur une Nidalee, c'est comment tu l'as fait performer. C'est en one shot par Darshan. Le problème c'est Darshan, hein, je dirais que c'est même pas oui. C'est Darshan, il est gratuit. Darshan, à part Seraph, ils font son n'importe qui et ils l'instantent. Le dunk. C'est le gros dunk potentiel. Lyra qui va essayer de gérer la jungle adverse à côté au nez à la part de ses ennemis. Flash de la part de Lyra, flash in d'Aphromoo. Et on essaie de forcer un petit peu cette tour. Heureusement qu'il y a la lanterne. Oui, qui a tenté son stun qui ne touchera pas. Attention, la traversée des abysses d'Aphromoo sur le côté, on a vu hein, la peine capitale d'Akour qui a été tentée. Darshan qui attend patiemment pour l'engage. Est-ce qu'on peut envoyer le cataclysme? C'est envoyé directement sur Apollo. Darshan ne prend pas énormément de dégâts tout de même. La chaîne de corruption en backup, justement, le regard de la méduse qui est pas mal. La spire qui touchera. C'est un 0 pour 0 ici, la phase défensive. C'est l'avantage aussi d'Envy, c'est leur capacité à 10 engage. Ouais, ça coûte tout de même un flash, un heal, une fatigue, un ghost. Côté des Envy, contre seulement un flash de Aphromoo pour aller sauver Darshan. Donc ça reste un très très bon go-in de CLG sur cette phase, voilà, qui se recentre instantanément. Ils ont un temps d'avance, hein, ça bouge mieux sur la carte CLG, moi ça me paraît assez évident sur ce début de partie. C'est dès qu'ils font une action, qu'elle soit réussie ou ratée, on a déjà pensé à la suite des événements. Là où Envious, qui prend la pression, donc c'est normal, ils ont un peu moins l'initiative, et eh bien ils sont en train de courir un peu derrière les coups de CLG. C'est le problème d'une team qui doit s'adapter à un nouveau joueur là où tu as un collectif bien rodé. Les CLG, ils n'ont pas changé de compo d'équipe depuis pas mal de temps, à part Dardoch qui est arrivé récemment. Mais globalement, on a 4 joueurs qui sont là depuis extrêmement longtemps avec le shot call d'Aphromoo. Attention, Lyra qui est prêt à partir par Darshan, la stélogénèse et le Stay United ne servira à rien. Darshan. Voilà, ça c'est les effets d'un Jarvan qui prend son 3e kill, qui va pouvoir finir sa titanesque. C'est dur à encaisser pour l'Envy. On a fini la Lich Bane du côté de Lyra. Il veut absolument mettre du TK alors qu'il est, il est un peu derrière dans sa game. 46 d'avance, oui, mais pourquoi faire? Le Baron Asher qui pourra même pas être contesté par l'Envy. Il faut y aller, il faut fight. S'il perd celui-là, c'est catastrophique. Il faut tenter un petit quelque chose. Le grab, est-ce qu'on peut essayer d'instant? Peut-être. Ce mid laner, oui. Le lâche a été sécurisé. C'est du 4 contre 4 maintenant. Le rappel de rideau, c'est Seraph qui va tout encaisser. Il a un flash, il a flash taunt. Est-ce qu'il a flash taunt disponible? Peut-être pas. Dardoch qui pourra s'échapper. Il y a toujours cette tourelle là malheureusement qui est menaçante. On aura réussi à deny un baron. C'est pas énorme du tout. On va pouvoir prendre la T1 sur la top lane de la part des Envy. Bon, il y a toujours un sacré retard au gold. Là surtout, il y aura une phase de pression. Ils avanceront pas contre un buff Nashor à 20 minutes de jeu. Ils avanceront pas sur une tour. Ils ont du mal à wave clear. Derrière, ça laisse largement le temps de se réorganiser pour les CLG. Ils vont réussir. Et bien malheureusement pas, 7-1 qui survivra à l'envahisseur. 45 secondes avant le 2e dragon des montagnes de la game. Le problème c'est que là les CLG viennent déjà de prendre un baron, ça s'est fait assez rapidement bien sûr. S'ils prennent un 2e dragon des montagnes, ça ira encore plus vite, surtout quand tu es dans une phase comme ça avec un baron Nashor. T'as envie d'avoir ce genre de Drake, t'as envie d'enchaîner les objectifs. Et ça semble compromis tout ça. Du côté Envy, on sent ils sont allés contester en étant un petit peu timides. Et je les comprends, hein, t'as pas envie de donner des kills en plus d'un Baron Nashor aux adversaires. Oui, il n'aura pas ce Baron Nashor, c'est déjà ça, parce qu'il peut faire un split push et rejoindre rapidement ses mates avec la comète légendaire. Ouais, ça va être dur à tenir, hein. Ils ont... Après c'est vrai qu'il y a du wave clear, il y a une bonne compo de poke, une bonne compo défensive. Mais c'est encore une fois, on perd sur la macro, la lanterne. Merci à Akio, superbe floraison mortelle, mais ce ne sera pas suffisant pour essayer d'enchaîner sur ce Shen. Un peu compliqué hein, tout de même ça du côté des Envy. Après on a un Shen qui a la Sunfire, c'est bien quand il est face à Darshan sur la lane, mais la lane n'a pas duré extrêmement longtemps. On a la titanesque qui est en cours, le seul souci c'est qu'il y a aussi les dégâts non négligeables de Ui dans la game, qui met beaucoup de pression. Et pour tomber les temps, de toute façon c'est du DPS hein, tranquille, avec justement ces petites étoiles qui virevoltent autour de lui. Et dans un teamfight, oui, il fait le taf pour le moment. Attention tout de même, on l'a vu, c'est que sur une peine capitale de Akio, il peut tomber rapidement. Les CLG qui vont sans aucune contestation récupérer le 2e dragon des montagnes de la game. Ouais, on commence à s'éloigner. Quand il y a une petite T2 qui va être le sujet de toutes les attentions. C'est la dernière tour extérieure qui dépasse un petit peu. Il y avait déjà Stixay en train de tout partager. Et le grab, le trap, chaîne de corruption. Eh bien écoute, Aphromoo, je pensais qu'il aurait du mal à se faire sa place dans cette game. Eh bien je me trompais complètement, parce que derrière, Darshan peut y aller YOLO. Et Aphromoo est toujours là pour venir gommer les erreurs. C'est un vrai bro Aphromoo. C'est le bro. Forcément, il est toujours là en backup, peu importe ce qui se passe. T'as envie d'avoir un bro comme ça dans la vie. C'est pour ça que nous on a Ita ce soir. Ah bah oui, c'est le bro. Ita c'est le bro. The bro. Avec un grand Z. La T2 bot qui va tomber en faveur des CLG. Attention, il reste quand même 35 secondes de Baron Nashor. On a quelques creeps améliorés pour essayer de gratter cette T3. Sachant qu'il n'y a plus de chaîne de corruption de la part d'Apollo. Ça a été dommage parce que l'utiliser ici sur Dardoch, c'est pas quelqu'un que tu vas tuer facilement, Dardoch en plus. D'autant qu'on l'a vu, hein, au moment où il y a eu la peine capitale qui a touché, la spire de l'ARA avait déjà été lancée. Et du coup, on avait loupé une phase de burst potentielle. Alors, ils iront pas plus loin. C'est la fin du buff Nashor par contre, CLG. On va essayer de poke cette tour, est-ce qu'on va réussir sur ces 5 secondes à la mettre un petit peu mid-life? Lyra qui fait du poke, on a intercepté Darshan, un tiers de vie retiré sur le top laner. Le GLP de poke sur Akio, voilà, fin du Nashor, disengage, c'est déjà un Nashor confortable. C'est correct, hein. Après l'avance au gold est toujours pas incroyable. Non. On est à 3000 gold d'avance, tout à l'heure c'était à 2000. Bon, l'écart ne se creuse pas vraiment pour l'Envy. On va bientôt avoir l'Archangel du côté de Nisqy. Et ça, hein, les stuffs à scaling, on rappelle que d'un seul coup, il y aura un boost virtuel de gold pour l'Envy. Parce qu'on va enfin utiliser les stats qui sont arrivés. Tout ce qui sont ces stats de mana, la mana apportée par le Morello, par l'Archangel et par le séculaire. C'est le late build. C'est vraiment, enfin c'est l'époque Anivia avec... Enfin, c'est vraiment tout droit sorti des optimisations Anivia. Donc, c'est Secular First qui met du temps à stacker, la MDLSS qui met du temps à stacker, c'est Grade. Maintenant, c'était remplacé par le Morello. Mais ça te donne un mana pool infini dans les fights, ça te donne une régène fabuleuse. Donc, ça met beaucoup de temps, par contre, ça donne aussi beaucoup de dégâts, beaucoup de tankiness. Il y a juste à rajouter de la pénétration magique et l'optimisation sera impeccable. Et voilà l'Archangel, justement, qui vient d'être terminé, Noah. Pile poil quand on en passe, je serais curieux de voir la valeur tapé de Nisqy. C'est l'époque, juste avant cette époque, c'est un truc qui pourrait aller, mais c'est un stuff d'une autre époque. C'était, bon alors, les mobilités, et c'était le Magi Warmog. Touche ici sur Apollo, c'est Inati qui viendra en backup. La chaîne de corruption qui ne passera pas malheureusement. Et c'est une fatigue qui a été lâchée un petit peu vite, il y a même un ghost là-dessus, on n'a pas réussi son coup côté Envious. Et les CLG ils sont pas obligés de prendre des risques pour aller chercher les tours. À ce niveau-là la partie, il y a un achat dans 2 minutes, ils peuvent juste mettre la tente de camping devant chacune des sorties, s'assurer que le map control s'en aille naturellement, et après commencer à tendre des pièges devant ce Nashor. C'est ce qu'il devrait mettre en place, par contre faut toujours faire attention, il y a un gros scaling en face, la peine capitale qui va toucher, on va mettre de bons dégâts sur Dardoch, l'arrivée d'Aphromoo en backup, toujours le bro il est là, il ne te lâche jamais. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'on peut aller prendre la vision du côté CLG sans rien craindre finalement. Darshan peut y aller, Dardoch peut y aller, pas de soucis, on a de toute façon une grenouille, un batracien à moustache, je sais pas derrière. Il utilise un petit peu comme on pourrait utiliser comme on pouvait utiliser un Alistar. Le Listar qui va face check tous les buissons pour mettre ses wards, dans le pire des cas il a la volonté de faire et il s'en va. Bon bah là c'est un Aphromoo. C'est un Aphromoo qui est derrière et il te dévore et il s'en va en courant. C'est ça, tu pourrais faire pareil avec Thresh aussi finalement qui te met une lanterne, mais toujours l'intérêt d'y aller à deux, prendre la vision. Et c'est vrai qu'au niveau des stats de ward clear par minute, faut savoir que Lyra c'était en NA la semaine dernière encore, le jungler qui avait le plus de ward clear par minute. Je vais essayer de vérifier si c'est toujours valable, mais j'en serais pas surpris. Hein. Après il a un farm exemplaire. Hein. Pour le coup, les 193 CS à 28 minutes de jeu pour une Nida, on sent qu'il connaît son affaire et on arrive à garder un petit peu de vision, c'est le plus important. 4 pink wards au niveau de ce topside, on prépare aussi le Nashor, on prépare la stratégie anti-piège contre CLG. Ah, il est toujours le premier jungler finalement, c'est toujours le premier jungler, il est à 0,38, ça a un peu baissé. Mais au niveau des jungles, c'est le premier bien sûr. Et sachant que le premier avec les wards clear par minute, c'est Akio dans tous les NA. Voilà, le support d'Envy qui est ici présent, le RV1, Seraph, Darshan. Les dégâts sont bons du côté de Seraph, hein, forcément. Avec la lame vorpale, les dégâts en pourcentage et surtout en dégâts magiques, ça fait un bon boulot sur un Jarvan pour le moment dans la game. Mais Jarvan, c'est un scaling qui est quand même assez incroyable. Ah ouais, je trouve que c'est pas fabuleux. Ah, c'est pas le meilleur top laner au niveau scaling, mais la plupart des match-up en fait, tels que Renekton et autres, il finit par les outscale. Ah, on n'est pas au niveau d'une Fiora ou voilà, d'une Camille en fait. C'est un entre-deux. C'est un entre-deux, ça reste un pick dans limite, en late ça fait le travail, mais bon, ça c'est pas un speed pusher qui va faire tomber un Shen full stuff, qui va le forcer à back. Ça a ses faiblesses, c'est pour ça voilà, il a fait son stuff optimal de DPS, maintenant il va partir full tanking. Ah oui, c'est ça, c'est correct, disons, c'est l'équilibre entre une Fiora et un Renekton. Quoique Renekton, il y a toujours le fameux build avec la BRK en ce moment qui permet quand même de gérer les tanks en late game. Quand tu vois des Renekton face à des Kled ou face à des Gragas, c'est quelque chose qui... Ça a une limite, ça y arrive quand ça prend l'avantage, mais ça a une limite sur le late. Après Kled effectivement, c'est un monstre de late game. C'est un scaling qui est vraiment bon, mais pareil c'est pas spécialement bien adapté au teamfight, ça reste du pur speed pusher. Là où Fiora en fait c'est vraiment le speed pusher qui trouve sa place en teamfight au bout d'un moment grâce à son ulti. Les dégâts sont complètement insane, le baron Nashor fait par les CLG avec les 2 dragons des montagnes. On va prendre la vision, ça aurait été beau que la peine capitale le prenne tout de même. Mais c'est le critique de Stixay qui viendra à bout de ce Nashor. La traverse des abysses ici, est-ce qu'on peut choper Nisqy? Et là il va essayer de s'échapper, le Steinati le regarde, la méduse qui est bon, la stélogenèse. Et il se replace, et il se replace, et ils sont entre deux feux. Mais on a eu un énorme crit de Stixay sur Apollo. Et ça ne passera pas pour les Envy qui vont se faire marcher dessus. Mais c'est compliqué l'Envy, on va essayer de s'échapper, la queue entre les jambes, la peine capitale qui touchera. Mais Stixay, une fois encore, un nouveau crit, un nouveau mort. Est-ce que ce serait pas la game Noah ici? Parce qu'on est déjà avec un 3 pour 1, 4 pour 1 maintenant, nouvelle stélogénèse. Oui, avec son pic, il touche tout. C'est la game, Lyra ne pourra pas défendre tout seul. Le go-in de Dardoch à l'ulti. Est-ce qu'il peut venir chercher? C'est sous les tours, le sniping qui ne passera pas. Lyra s'en tirera, mais il ne peut pas défendre à 1 contre 4. Ça ne passera pas malheureusement. Lyra seule contre tous va regarder sa team, sa base se faire exploser. C'est le problème du Nidalee. Lyra il a bien joué sa Nidalee solo queue en fait. Ah il a farm, c'était bien. On a une botlane chez Envy inexistante. On n'a pas vu Apollo, on ne l'a pas vu. À part une ou deux chaînes de corruption, même 10 engages. Même pas, il les a généralement foirés. Il y en a eu quelques-unes de loupées, en effet. Ouais, on les a pas vus. Mais tu parlais d'un script, Noah, tu savais ce qui allait se passer. Tu avais le script. 2-0, 2-0 ce soir. Là, il faut ban Aurelion, Mais c'est étonnant qu'il l'ait pas fait d'ailleurs. Parce que même si c'est pas Ouyi qui fait gagner la game, Dardoch et surtout Darshan a fait un travail incroyable sur ce décalage en early. T'arrives pas à le mettre en difficulté alors que Ouyi c'est pas un mid-laner incroyable et sur d'autres pics tu peux très facilement venir prendre du kill sur lui. Alors que là, en milieu de le fight, avec Aphromoo qui arrive à le repositionner, Darshan là-dessus qui fait encore une arène de Jarvan parfaite. Ah, c'est le problème parce qu'en fait, Nisqy a été forcé de flash à cause de Ouyi. Et à partir du moment où il a flash, t'as Darshan qui a le champ libre pour aller agresser de toute façon les carries adverses. C'est toujours le problème dans ces conditions là. Et là par contre les CLG ils ont créé le break. On est à 7000 gold d'avance maintenant. Là où depuis tout à l'heure, peu importe les avantages, ils avaient à peine 2000, 3000. Maintenant on a vraiment pris une belle avance. Seraph qui va survivre à peu de choses près. Et un petit rappel de rideau justement pour permettre de gratter les adversaires, peut-être prendre un peu de vision. C'était 3 bots qui résistent à l'envahisseur, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, il y a déjà 2 inhibiteurs détruits. C'est l'heure du all-in. L'Envy, plutôt que de mourir sous le Nexus dans le déshonneur, autant voilà mourir à l'arme au point pour être renvoyé au Valhalla. Valhalla emmené par les Valkyries. Ce seront donc des Energar, ces âmes de guerriers. Le troisième inhibiteur qui va tomber en faveur des CLG. On va pouvoir ensuite avancer doucement mais sûrement vers le Nexus, la peine capitale qui touchera pas et Akio qui se fait tout simplement détruire par Stixay, quoique il survivra avec peu de HP, mais tout de même. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais cautionné. Le fait de se dire que avec 3 inhibiteurs détruits, t'arriveras à tenir ton Nexus. Ça c'est rarissime, ça arrive 2 fois par an. Ouais mais tu peux pas non plus dire FF. Bah non, tu all-in. Il y a un moment faut all-in. Perdu pour perdu, autant all-in. Ils espèrent peut-être avoir les golds manquantes à Nisqy pour avoir le void staff. Mais ça change, même ça change rien. Là ils vont crouler sous les creeps avec les 3 inhibiteurs détruits. Voilà, ils vont juste réussir à se faire gratter. Mais allez, un crit à 538 sur une tour par Stixay. Attention, on fait l'engage Dardoch qui a pris quelques HP, Seraph dans la mêlée. On va se retourner pour les cataclysmes de Darshan. Sur Nisqy, le Stainatit qui est pas mal de la part de Seraph ici. Est-ce qu'on peut surveiller Nisqy qui tombe sous le cri de lumière de Ouyi? Et on va commencer à détruire cette game. Les CLG qui enchaînent, Lyra qui est maintenant pris à partie avec le saut de taupe qui va rentrer dans la mêlée. Darshan pareil qui est en train de lacérer ses adversaires. Lyra qui survivra. Lyra c'est celui qui est le moins mort de sa team. Il sait courir plus vite que ses alliés. Et ce sera le Nexus qui tombe, garde aux mains, 0 pour les CLG. Peu de contestation possible. Bah malheureusement, ils ont été meilleurs les CLG, mais c'est leur collectif qui parle en fait. C'est globalement le collectif, ce camping au niveau de la midlane qui a fait un bon taf. Après Nisqy, même moment où il a eu son stuff, il n'y a pas eu de backup, la team n'était pas présente, c'était une globalité. C'est que les CLG ont été bons au niveau de rotation, ils ont eu les objectifs, que ce soit les dragons, les tourelles, le baron Nashor, ils ont pris le temps les CLG de gagner, ils n'ont pas forcé les moves. Et du coup, eh bien, oui, 1-0, première game de Nisqy, bienvenue en LCS, que ce soit les U et les NA. Finalement, le même sort est réservé aux rookies, c'est-à-dire pelé par les fesses, voilà, sur le bail du Limousin. Du coup, ça va nous amener à la suite, puisque ce sont des PO3 Yardoum. Bien sûr. Et donc on va faire une courte page de publicité et revenir pour la suite. Est-ce que oui ou non Nisqy arrivera à relever la tête? Est-ce qu'il va se faire remplacer par Pyréane? Ce sont beaucoup de questions et les réponses sont après la pub. A tout de suite sur Gaming TV. Il faut qu'il fasse attention et il tente le all-in. Et ce sera sur Dardoch. C'est sur Seraph, il est encore Et on est de retour sur Gaming TV avec un invité, voilà. Donc vous avez vu toutes les annonces cette semaine. Il y a eu bien évidemment donc des toutes petites personnalités qui sont venues, puisqu'on a eu Shab, Shones, voilà, on a Kameto qui vient à la maison demain. Et on a bien évidemment gardé le plus gros pour le samedi. Le bon Ita qui va nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir. Donc ouais. Voilà, je fais partie maintenant de... Enfin, je commence sur les NA. Alors certains disent que ça tombe bien. Bah oui, c'est bien de commencer sur les NA parce que c'est pas... C'est formateur, voilà, exactement. Alors il y a aussi le fait que, en termes, on en parle souvent de mon cas, de mes décisions, en termes de decision making, apparemment le NA me correspondrait plus, justement. Ouais. Bah ouais, en termes de decision making. Par rapport à mon style de décision, quoi. Donc voilà, Ita qui va essayer, hein, je dis bien essayer, de rejoindre le crew de League of Legends. Attention, ça va bégayer dès que les audiences vont dépasser les 3 chiffres, parce que vu qu'il vient de l'équipe Overwatch, il a pas trop l'habitude de voir des audiences. Il faut autant qu'un stream perso de Jardoum un dimanche matin. Mais bon, il n'y a pas de souci, on va vivre avec. Donc voilà, si jamais, bien évidemment, soyez sympa, soyez tendre avec lui. Il débute au cast sur League of Legends. Mais le délire veut qu'il fasse partie du crew. Donc on espère que ça vous fera plaisir. J'espère aussi, j'espère que je serai digne du délire justement. Voilà. On verra bien, on va commencer un... Bon allez, on est parti, CLG contre Envy, les CLG ont gagné la première game en même temps. Ne pas ban le Aurelion Sol de UI en 2017 me paraît toujours être une aberration. À chaque fois qu'il le sort, il gagne. Tu sais, c'est comme le Kennen des Fnatic, tu le sais, tu le fais pas, tu perds, puis tu recommences. Tu sais, c'est la définition de la folie dans Far Cry, quoi. Genre tu recommences indéfiniment. Oh, ils ont sorti l'habit violet, j'avais pas vu, d'accord, ok, c'est sympa, sympa comme tout. Et on va voir justement ce qu'il va y avoir dans la phase de draft. À mon avis, il faut ban le Aurelion Sol. Ouais. Et faudra faire attention, je crois qu'il a un bon Corki aussi. Oui, il a un bon Corki, je crois. Ouais, le Corki de oui, il est fort, donc voilà. Ça revient un petit peu en ce moment pour X raisons. Ouais, bah écoute, mec, qui reviennent, parce qu'on en a parlé toi et moi justement. Bah, on en a parlé tous les deux, j'en ai parlé hier avec d'autres personnes et j'ai demandé au chat. Alors, il paraîtrait qu'en fait, c'est pas ça par rapport aux runes, c'est plus efficace d'avoir des runes de pénétration magique que des pénétrations armure, et du coup, en early game, ton spike est plus gros, ce qui te permet de prendre le lead. Et donc c'est pour ça qu'il est joué, mais genre, c'est pour l'instant j'ai vu que ça. Du coup, phase de draft, ban Leblanc, ban Galio, en face on ban Zach, on perd pas la tête. On va pas faire comme les NIP qui l'ont pas ban contre les H2K. On va ban le Kennen. Est-ce qu'on va ban du coup le Aurelion Sol chez MV? On va te découvrir, hein. Je pense qu'ils vont le ban parce que ça serait vraiment stupide de l'avoir laissé open. Après tu peux le laisser open et le contrer. Ah, il ban le Time Catch carrément. C'est vrai que le Time Catch avait été un problème parce que tout à l'heure... la comp d'Endios c'était très pick-up finalement. Ouais. Beaucoup Nidalee, beaucoup de poke. Beaucoup de poke et de pick-up. Sauf que bah, le time catch il réagit très bien à ça parce que, imaginons t'as une chaîne de corruption. Ouais, hop, tu n'as pas le tout. Ouais, une marque Nidalee, t'avales. Enfin, il y a vraiment plus trop de follow-up disponible pour l'Envy. Donc voilà. Le ban catch est justifié, mais bon. On verra, on va voir. Le Aurelion Sol open, quoi. Ouais, bah le Sol est open. Après, bon, les CLG ne le jouent pas 100% du temps. Surtout que là, ils pourront jouer red side, donc ils vont avoir un counter pick sur la mid lane, a priori, à moins qu'ils veulent le garder pour Darshan. Et on décide de faire pick Elise. Lyra qui joue beaucoup. C'est normal. Hein, c'est très coréen de jouer Elise. C'est vraiment dans leur gène de jouer l'araignée. Ça a une domination, c'est une lane, comment dire, une lane pressure énorme, une jungle pressure énorme en early. Donc il n'y a pas de raison que les Envy ne prennent pas. Après, on a pas mal de pick open. Donc voyons, il y a le Gragas qui est récupéré rapidement pour les CLG, je sais pas si c'est pour Dardoch. Probablement, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être à la top lane. Ouais, de top lane ou... C'est flex en tout cas, on verra si Dardoch... Enfin, je vais dire, il dévoile pas pour le moment, il décide tout de suite de lock la Caitlyn. Ouais, domination de lane. Ouais, mais surtout qu'en fait Caitlyn laisse planer comme la menace d'Aurelion Sol, parce qu'Aurelion Caitlyn, je pense que c'est peut-être le meilleur combo en termes d'ADC avec Aurelion. Parce qu'en fait, Caitlyn, elle va... se positionner de telle sorte à ce que tu puisses jamais rentrer en fait dans la zone pour faire chier le Aurelion Sol, et du coup le Aurelion peut vraiment mettre un maximum de DPS saisonné. Et on regarde directement, oh, la Fiora. On a le Nisqy qui est en train de pique. C'est cool quand même de voir Nisqy là, le belge, le belge francophone, il est là, de la team K-Metal, ancien des donc Fnatic Academy. Ouais, exactement, midlaner des Fnatic Academy, qui a préféré transformer en IP et recruter un joueur coréen. Ouh, la Morgana. Morgana, c'est fini, c'est pété. CFCP. C'est fini, bah, il y a Black Shield. Il y a Black Shield, il y a pas de CC, c'est fini. Bien sûr. C'est fini, c'est pété. Bah, du coup, côté MVS, on décide d'en partir sur une hache, donc c'est relativement safe. Ça apporte pas mal de CC. Bah, ça apporte la flèche cristal, mais. Ça permet aussi de tenir en ligne contre Caitlyn, grâce à la reine notamment. C'est quand même plus safe de pick une hache plutôt qu'un Lucian. Par contre, le problème, c'est que là, il y a un Black Shield. Donc c'est le CP, quoi. Le pick Braum peut être contesté par ce Black Shield. Les trains de ce Black Shield, quoi. Les trains de. C'est Black Shield. Et donc, On arrive donc dans la deuxième phase de draft, on pense que ce Gragas va être jungle puisqu'on bat des top laners du côté des Envy. Donc la Fiora Darshan qui est très connue, le Jace, ça veut dire qu'on va jouer un corps à corps probablement du côté de CLG. Alors est-ce qu'on va laisser du coup le Jarvan open, le Jarvan qui a bien marché pour CLG justement sur la game d'avant. Qu'est-ce qui est actuellement bien attaqué ? Bah, on peut vraiment tout jouer, hein. Le Rumble je pense pas qu'il va jouer parce qu'il a été modifié depuis le patch de 7.12, il est beaucoup moins, il a un early très difficile maintenant parce qu'il a des gros cooldowns sur son flame. Ouais, la gestion de chaleur il s'est ajustée. Il était joué quand même de tout à l'heure je crois par... c'était contre Doamné, c'était... Ouais il a encore joué mais c'est vraiment plus dur de vraiment se débrouiller en early quoi. Et on décide de battre la Camille et la Talia. Profit. Côté des deux équipes. C'était Profit. Donc ce sera ouais, Talia et Camille, donc on a très peu peur de Darshan mais de toute façon les CLG aiment jouer en split, voilà. Ban Fiora, ban Camille, pick Renekton. Le choix logique, pourquoi Renekton peut être pick? Parce que Kennen et Jace sont ban, du coup il n'y a pas de counter pick naturel. Après moi j'attends, je le call, ça fait maintenant un mois que je le call, le retour de Queen. Moi j'ai dit Queen, ça va revenir, parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas, notamment contre Kennen et contre Renekton. Ah intéressant, mais on y croit. Directement de choisir la mid lane, hein. On va pas attendre d'éventuellement... bah t'as pas, parce que de toute façon c'est passé double pick là. Ouais là c'est pas le choix, mais il dévoile. Ouais, dernier pick. Je verrais bien Shen. Ouais, Shen c'est pas mal. Shen H, Syndra, le problème c'est... Qu'est-ce que tu fais au niveau de... En fait tu vas peut-être avoir un creux en mid-game sur cette H. Bah ça peut être... Enfin, j'avais pensé à Rumble mais... Oh là 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 là, Ita directement. Oh oui. Il prédit les décision making mec. NA Ita, c'est un match complet. Ouais, exactement. Attends, parce que là il y a une Morgana, il y a le Aurelion Sol de UI. Et je te dis, Caitlyn, Aurelion Sol c'est très fort. Après Syndra contre Aurelion Sol c'est pas évident. Surtout la Syndra de Nisqy. Et voilà, il va jouer la sécurité UI, il va partir sur le pick Vladimir qui est très fort contre Syndra. Incroyable. Oh la Morgana. Intéressant, on va voir parce que moi je pense que la botlane va être intéressante à regarder. Bah le truc c'est sur une... Par contre t'as la cage, flaque, trap. Tire dans la tête, filet, tire dans la tête. C'est énorme en fait. Hein, bah tu peux. Après, il y a Braum. Dès le level 2, tu peux déjà enculer. Il y a Braum. Il y a quoi? Il y a Codison? Ouais. D'accord, ok. Donc c'est les Olé qui avaient joué ça avec Codison. Et ils avaient détruit les liquides la semaine dernière. Donc voilà, on a les compositions Ita. Les Envious qui sont partis sur une draft qui est quand même très orienté sur le pick-up avec le passif de Braum, la hache pour la flèche de cristal, un cocon. On a le cocon. En face, on a une compo qui est plus orientée fight avec toujours cette composante de split qu'on retrouve chez les CLG. Il va falloir être vigilant si jamais les Envieuses veulent prendre cette première game. Bien évidemment, on va mettre notre cœur avec eux parce que voilà, Team Nisqy, il est là. Voilà, le francophone, le belge qui a décidé du coup de partir dans la ligue américaine, nord-américaine. Ouais, c'est le premier francophone après UI, je crois, dans la ligue nord-américaine. Je crois pas qu'il y en a eu d'autres. Si, oui, il y a eu Steelback qui est parti en Challenger Series NA. Mais je crois que c'est tout, hein. Il y a eu Yellow chez TSM. Ah oui, il y a eu Yellow, chez TSM. Mais bon, c'était un épisode passager. C'est les heures sombres de l'histoire de l'Europe et de ses joueurs. On leur a prêté, il était top 4 monde, il est revenu, il a pris sa retraite. Merci les LCSNA, on vous remercie pour votre cadeau. Et on est parti. On est parti du coup dans cette deuxième game du BO CLG versus Envious. CLG qui est donc Red Side, Envious Blue Side. Donc on applaudit beaucoup. Ouais, il y a une ambiance de fou hein, au NA. Ah, forcément ils ont TSM. La fameuse skin. La fameuse Slayer Caitlyn. Ouais. Très jolie skin d'ailleurs. Et donc on va voir ce match-up mid lane. Attention quand même, la cage d'Aphromoo. On a voulu faire waste le flash, mais Nisqy ne l'entend pas de cette oreille. Le passif de Braum qui n'aura aucune incidence. Akio, ancien support des Renegades, Apollo qui a joué chez Impulse. Et Dardoch qui a joué chez Team Liquid. Il a joué chez Liquid et il est parti chez Immortals de près. Et ça touche. Ouais. Q-Spell, Piltover, bon ça change rien, c'est Akio. Le support en plus il pourra back ou alors utiliser son Targon. Alors la question c'est de savoir comment ils vont gérer leur start, parce que j'ai l'impression que Lyra va partir sur un... Je sais pas s'il va pas faire un fast invade, parce qu'il reste il est côté blue sign. Ouais. Alors d'habitude, habituellement tu peux commencer au cordon je pense avec Gragas, pour avoir justement cet avantage en XP, mais il décide de faire un start plutôt safe. Bah, en fait c'est bizarre parce que les deux anticipent, j'ai l'impression, un cheese de l'autre, et donc les deux vont partir sur un start blue. Alors normalement... Invade cordon, c'est ça? Ah non, tu peux faire un blue, tu peux faire un clear topside et invade. Mais après le Gragas il a pas envie d'invade, donc je me demande si en fait il anticipe pas justement qu'il va y avoir un invade de Lyra pour arriver avec le même quantité d'XP et essayer de challenge, parce que Ouhi va, je pense, va push comme un malade en fait en early game pour essayer de défendre l'invade. C'est possible en tout cas, voilà, il a déjà fait son bleu, on va se diriger tout de suite. Il va faire les wolves, Ouais non mais il va clear le bot, c'est sûr qu'il clear le bot sign, la question c'est de savoir ce qu'il va faire après et surtout ce que Lyra va faire après, parce que le but c'est de répondre à Elise, c'est elle qui a l'initiative en termes de trade en early. Et on part sur cette duo lane, Stixay à Aphromoo. Stixay qui fait une bonne saison cette année, il est beaucoup moins en retrait par rapport à l'année dernière où je l'avais trouvé très discret. Je trouve qu'il est un petit peu meilleur et bah, ça se ressent au niveau des performances de CLG qui sont quand même plus constantes. En tout cas, peut-être pas au spring mais là au summer je trouve que CLG ils sont pas mauvais du tout quoi. Contrairement à Darshan qui lui avait brillé sur les speeds précédents et là finalement on se fait beaucoup plus discret. Bah là ça va un petit peu mieux. Mais parce qu'en fait il a fait une transition split pusher, il est repassé sur des tanks et là il est repassé sur des split pushers. Et j'ai quand même l'impression que la méta split push lui va mieux. Ouais c'est ça, il fit beaucoup mieux dans la méta split push plus qu'un méta tank standard. Et après c'est lui qui disait ouais moi maintenant je suis un genre de poppy et tout et ça n'avait pas trop marché quoi. Donc pour le coup là du côté des deux junglers on part sur un full clear, hein. on va pas aller invade. Ouais mais c'est étonnant quoi de faire un clear sous optimal. Après il y a peut-être une volonté de snowball bot side. Et je vois pas comment une Morgana en fait... Lyra pourra venir sur la Morgana à moins qu'ils arrivent avant son timing de Black Shield. Oh ça c'était... Ah je pensais qu'il a sauté dans le pit. Ouais mais je sais pas s'il a raté. Du coup récupérer le carapateur et peut-être en faire un grand top hein. Quoi que non, c'est plutôt assez push hein, côté CLG. Il va prendre l'info je pense, il a posé un peu de vision. Bah il peut prendre la vision et sur la mid lane il y a quand même peut-être essayer de faire waste le flash de Nisqy ou au moins son ghost. Donc Lyra est en train de farmer, par contre Lyra... Un peu tard ouais, c'est un peu plus lent j'ai l'impression. Bah Lyra il a l'avantage de... Voilà il fait un full... Vu qu'il fait son full clear tu vois il est niveau 4. Donc théoriquement il va avoir l'initiative sur un fight s'il se rencontre, mais pour l'instant Dardoch peut surprendre son adversaire, surtout que là voilà, Vladimir est sous la tour. D'ailleurs je me demande s'il anticipe pas un timing de gank, qu'il a pas genre push et back sous sa tour en attendant de voir si Lyra va ganker. Ouais, bon. Et là la duo lane TNVS qui va remonter. Ouais, pour l'instant là les CG n'ont pas l'info hein, sur la position de Lyra dans la jungle. On a Dardoch qui a posé une ward de wolf, donc qui sait, enfin plus ou moins qu'elle est bot side. Ouais, et là ils savent. On va les mettre un coup de pollen. Voilà, on a l'information sur le clear adverse, on sait, on va récupérer le comp. Donc là, on sait qu'il est forcément au cru, ou à la base, voilà. Ou alors en train de faire un lane gank, mais il y a peu de chance parce que bah, c'est un Shen, top side, et la lane est push, donc a priori on sait qu'il va back, et du coup Vladimir devrait push sur la mid lane. D'accord, voilà. On pense très calmement au niveau de cette bot lane, bon Stixay est un peu low quand même, on a dû rater un trade. Ouais, Stixay à Aphromoo, bon, après c'est pas très grave, après il a pris le choix donc de l'âme de Odoran et le Warlord, donc il n'y a pas de souci, il va régène. Via ses auto-attaques et bah, via la maîtrise. En plus la pote a été lâchée. Et on a Dardoch là qui revient sur le bot side. C'est peut-être un gank à faire, le problème c'est voilà, il marche sur les jalons. Et là il sait qu'il y a une invade, du coup voilà, c'est tout le jeu de dupe, savoir sur le timing de respawn, est-ce qu'il va aller, là il va essayer d'aller soit sur le bot side, soit au niveau des raptors adverses pour check si jamais il a start au raptor ou pas. Mais là je pense qu'il a anticipé déjà que la Elise avait start pas assez raptor et du coup elle est top side. Donc lui il va continuer de clear. Et voilà, et tu vois l'information elle est prise via le top side. C'est bien vu hein, ça de la part des CLG. La Darshan qui va du coup reprendre l'info de son côté, il va poser une ward, il a repéré la Elise de Lyra. Il va reculer, il va juste prendre l'info, voilà, il a pas tenté de trade un peu suspicieux. On va revenir en lane hein, côté Darshan. Ouais, de toute façon pour l'instant on n'a pas de... Alors t'as pas de chance, pour ton premier match commenté de League of Legends, on n'a pas vraiment un match explosif parce que Syndra elle peut pas vraiment tuer le Vladimir, c'est plutôt un pic de teamfight, Gragas et Elise ça se neutralise en jungle, top side il y a assez peu de chance que le Renekton vienne détruire et sur la bot lane il y a un truc pour encaisser la flèche de cristal et théoriquement une Morgana et une Caitlyn peuvent pas détruire une hache si jamais il y a un Braum devant. Attention la Nisqy et Lyra qui décide d'avoir quelques velléités hein, sur ce top side de map, on va peut-être voilà, récupérer la formation du raid, attention. Dardoch a été vu ou pas? Ouais non, c'est juste la prise de vision, Dardoch il est contrôlé. Par contre on a peut-être un trade, la prise de vision, oui attention ça se renferme sur les Envious, le stun qui passera pas, la dissipation des faibles qui n'a pas touché pour Nisqy. Il est rouillé Nisqy, voilà, washed, pardon. Ça prendra du temps mais ça va venir, hein. Nisqy qui... Premier match hein, en LCSNA donc, vous êtes team Nisqy ou vous êtes team Bjergsen sur le chat là? Bjergsen ou Nisqy? Super maman ou papa? C'est super important. Ah mais regarde qui hurle Bjergsen Le TP qui a été mis en place par Seraph, le tome qui a été lancé directement sur Darshan. Et voilà, le problème c'est que le Black Shield, même en 4K, même si ça poke beaucoup, tu peux pas prendre le kill. Attention, Darshan qui est en train de prendre l'agression sur Seraph, Darshan qui est niveau 6, le Dominus qui fait très très mal au top laner des Envy. Seraph, ancien joueur des CLG qui a fait beaucoup d'équipes et qui se retrouve là eh bien, en position très très délicate sur sa top lane. Et regarde, il a utilisé sa téléporte, Seraph il n'avait pas son niveau 6, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pouvoir push, prendre la tour, mais... Seraph il peut pas revenir là, donc c'est quasiment la free tower. Il faut un décalage. Le problème c'est que. Ouais, mais Blue Side il y a personne là. Elise elle va arriver en retard. Attends, Seraph il va essayer de revenir avec Elise, c'est compliqué quand même. Hein. C'est très risqué ce qu'il fait Seraph là. Il a son niveau 6, ça change rien pour le coup parce que pour l'instant c'est du 2v1. On va continuer de prendre la tour côté CLG, le taunt qui est engagé du coup de la part de Seraph. Beaucoup de dégâts, le dive qui a été tenté mais qui sera avorté. C'est Dardoch hein, qui va essayer de push. Ouais, c'est surtout que là il y a l'arrivée de Lyra, donc il faut pas overcommit. Et puis la zone de Shen hein, qui lui permet de se prémunir des auto-attaques du Renekton de Darshan. Donc on n'ira pas plus loin. Le passif du Z hein, qui permet ouais. Ça passera dans le vent. Je pense à Apollo qui prend un bon trade là sur les opposants. Ouais. Stixay et Aphromoo qui pour l'instant sont à égalité. La cache qui passe, est-ce qu'on va pouvoir follow-up? Hop là, la porte de la montagne derrière, c'est Apollo qui prend le trade sur les CLG. Bon voilà, c'est une duo lane qui se neutralise par nature. Les pics font que ça va être très difficile de prendre des kills directs. On va attendre un décalage des junglers. Attends, Lyra qui arrive sur le top side de la carte là. Lyra peut-être le cocon. Ouais, mais même s'il prend le cocon, pas, il prend la ward. Ah, oh c'est manqué, c'est dommage. Bon, je pense pas que ça aurait donné grand chose, mais bon. Au moins, il a tenté, il a le mérite pour ça. Ouais. On va continuer, on va se diriger voilà, vers le blue buff. Et le donner à Nisqy, je pense. C'était un très beau cocon. Hein. Il était. Ah, il était. Il avait un. Il avait un... pas dessus. Hein, c'était un cocon made in strabisme. Il est parti. Parce que Darshan n'avait pas la vision alors que l'ARA l'avait. Enfin, ouais, non, mais c'est normalement sur un face check. Je sais pas s'il a anticipé quelque chose, mais en tout cas, c'était le meilleur cocon que j'ai vu aujourd'hui. Mais ce sera toujours moins grave. C'était quoi? C'était une éradication que j'ai vue hier. Je crois que c'est l'éradication de Cabochard. Qui était absolument priceless, elle est partie dans le vent, je crois qu'il a sa souris a dû décrocher au moment où il l'a mise. Et Dardoch qui va rester avec son blue buff, ouais, forcément le Vladimir va lui laisser. Ouais, Dardoch qui s'est fait scouter hein, par le pigeon de Apollo, qui était envoyé justement au bon moment, au timing. Ouais, de toute façon là les deux junglers sont en train de farm tous les deux, ouais. Ils peuvent pas trop overextend sur le top side de la carte parce que Darshan a son Dominus et ça va être dur de le tuer. Donc a priori il est tranquille le top laner des CLG. Et donc mieux vaut aller faire ses buffs pour pas se les faire counter, notamment Lyra qui est niveau 6. Finalement Seraph s'en sort plutôt bien, il a été vachement pressurisé justement early au tout début de la game et finalement niveau lastique, niveau farm on est plutôt on est équivalent avec Oh regarde avec ce swap, Darshan. On passe les 7 minutes de jeu, la fortification qui s'arrête et regarde ce qui arrive dans le buisson. C'est bien vu, hein. Ça c'est bien. Regarde, ça a été suivi hein. Ça a été complètement lu par les Envious, on connaît ce genre de pattern, le problème c'est qu'ils sont 3v2 et c'est un ADC et un support. On va mettre une cage, est-ce que Darshan va y aller? On n'ose pas du côté CLG. On n'ose pas mais la tour est fragile, la tour est sur le point de tomber, encore quelques autres attaques là peut-être, c'est Stixay qui va s'en occuper pour le moment, on recule côté Aphromoo et Darshan qui va tout de suite aller back et revenir botlane justement. Ouais il est obligé parce que là il y a le Shen qui va commencer à mettre énormément de pression sur le bot side de la carte, il n'a pas de téléportation Darshan et donc on va swap. Et on va reproduire, attention la flèche de cristal qui vient de toucher, okay. Le Black Shield, pas de CC, c'est fini, c'est pété. Non mais c'est fini, c'est pété. Non mais il n'y a rien à faire. Je l'avais dit, quand il y avait la méta H, pourquoi ils prennent pas des Morgana? Parce qu'on était en méta pick-up avec des H partout, voilà, Black Shield c'est fini. Ouais, c'est fini, il n'y a pas de... Attention là, l'ulti qui est engagé directement sur la Shen qui va du coup arriver dans la mêlée directement l'auto peut-être. L'ultimate de groupe qui passera pas. Aphromoo le stun peut-être, Stixay, attention la porte de la montagne, Aphromoo qui est dans une situation extrêmement compliquée mais le spell immune encore une fois, le Black Shield mais le taunt viendra à bout pour le first blood, c'est le kill qui est récupéré, les Envious qui font le trou dans le top side des CLG, double kill récupéré en dépit d'une défense très bien menée, les Envious qui vont prendre l'avantage dans cette game Ita. Effectivement, on voit vraiment l'avantage d'un Shen, le Shen s'est dirigé bot lane, il a commencé à push la lane, finalement il s'est dit il y a une opportunité justement de skirmish en haut, je vais juste utiliser mon ulti, on va arriver en supériorité numérique et ça va être vite réglé, ça a été bien en tout cas, GG à Envious qui ont bien lu. Ouais le pattern de défense et notamment ce swap hein, qui avait été bu complètement, il les a bu tactiquement. Ils ont vraiment senti qu'il n'y avait aucune vision à ce moment là, donc ils sont... Bah, sur le bataille il n'y a pas de vision. Timing 7 minutes, ils ont dit bon il y a plus de fortification, ils vont probablement le faire et ça a été très bien anticipé. Bah, je pense que ça c'est le résultat de Scrim, hein. C'est les analystes qui disent en gros quand t'as tel et tel pattern, ils font généralement un unicorn swap à ce moment là, donc le unicorn swap, pourquoi je l'appelle unicorn swap? Parce que en 2016, donc c'est la première équipe à avoir exploité la fin de la fortification niveau 7 pour faire un swap et récupérer la first brick. Et là on va Aphromoo hein, qui est obligé de se spell immune. Bon, Stixay qui est fatigué. Seraph qui arrive pile au moment, qui est suffisamment tanky pour prendre quelques coups de tour et laisser du coup voilà, ses équipiers faire le travail. Hein. Et on va récupérer la first brick je pense. Peut-être pas parce qu'il y a Lyra. Il y a Lyra, c'est vu, Lyra qui arrive, la téléportation, le cage, le flashing de Lyra, le flash il est placé, encore une fois c'est fini, c'est pété, la cristal encore une fois c'est le spell immune, par contre Stixay dans une situation extrêmement compliquée, encore une fois Stixay qui va réussir à utiliser son filet mais Stixay qui revient dans les griffes de l'adversaire et Nisqy vient scorer son kill tranquillement et se suicider sous la tour, bravo Nisqy, le pire, j'suis mort. Sur Darshan qui va repartir accompagné d'Aphromoo peut-être, la case qui touchera pas malheureusement. En tout cas on empêche la first brick, c'était pas si mal même si le move d'Envious c'était quand même relativement rentable. Et on repart Darshan, calme-toi. On va juste disengage. Hein. Ouais, on va Aphromoo la cage, ça touche. Est-ce qu'il va y aller? Oui, il va rentrer haut directement, ça peut faire très mal. Les CLG qui vont lâcher le wombo combo sur les Envy, Seraph qui prend un maximum de dégâts, il va réussir à survivre le top laner. Et des Envy derrière, on sent de la charge pour Akio et Apollo, mais on va se raviser parce que oui, il est encore trop haut en point de vie. Pendant que c'est encore re-swap, regarde Ita au niveau du bot side, on a Stixay qui est reparti, on va essayer de faire tout. Oh, ça touche! Oh, la cage! Attention, peut-être Shen qui pourra peut-être s'en sortir. Il n'y a pas assez de dégâts pour le moment, il n'y a pas la charge hein, du côté de Ui hein, sur son Vladimir. On va simplement disengage, mais on a la first brick côté CLG. C'est bien vu. Hein. Très intense cette. Ouais, c'est. Bah écoute, moi, je t'ai dit que ce serait passif et finalement, il y a de l'activité, on va revoir l'action. Très beau flash de l'air, hein, justement, enfin, la cage. Ouais. Et là, le réflexe Black Shield de Aphromoo est excellent. Là ça touche, malheureusement, Stixay qui se fait harponner par Lyra. Très bonne esquive de Stixay, là qui revient, je crois qu'il clique mal. Et là il y a l'ulti du Gragas. Dardoch qui fond. C'était pas un suicide, bien évidemment. Je voulais trigger un peu les fanboys du chat. Nisqy. Les fans de Nisqy en PLS, les fans de Nisqy en colère. Il bégait dans le chat. Ouais, exactement. Ça rage. Pas de soucis. On boit vos larmes les gars. Et c'est reparti sur le bot side de la carte, voilà, après une session swap qui a mené à la first break en faveur des CLG. Eh bien on est reparti sur une phase de jeu normale, le prochain Drake et le premier sera le Mountain Drake. Un Drake qui peut être important dans ce mid-game. En tout cas pour l'instant au niveau des golds, les gars c'est toujours devant, mais de macro, il y a quand même voilà, une T1 en moins de leur côté. Donc. Ouais, mais ça veut dire qu'au moins ils ont l'avantage en termes de farm, en termes de lane et en termes de kill. Et là, l'engage de Dardoch qui va faire Shen directement. Oh, le Black Sheet, c'est pas de CC. Par contre, il va y avoir un engage. C'est Seraph qui va mettre le taunt sur le jungler. Ça va être compliqué pour le joueur des CLG qui va tomber sur cette phase de jeu. Dardoch, eh bien, ne pourra strictement rien faire face à ça. Et encore une fois, les Envy qui sont partout sur cette game. Et à chaque fois, les CLG engage et se font counter engage. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de contrôle à côté Envy. Donc, c'est assez simple finalement de trouver un engage. Alors, justement, côté CLG, on a uniquement la cage d'Aphromoo en hard CC et au pire, voilà le bidon de Dardoch. Pas grand chose quoi pour disengage, donc c'est compliqué hein, d'éviter ce genre de fight. Et on va tout de suite s'emparer du bleu hein, côté Envious. On a le Z hein, de la Syndra qui va subtiliser. Ouais, hop là Nisqy le voleur, hop là c'est récupéré. Et on fait la rotation au niveau... on va repartir sur la mid lane parce qu'il y a de la pression qui est mise par Ui et qui dispose hein, de sa proto belt, le mid laner des CLG. Alors au niveau des summoners top lane, il n'y a plus de téléportation des deux... Des deux sides. Je sais pas si le Drake va être engagé tout de suite, sachant que Envy c'est légèrement en avance, ils peuvent se permettre je pense. Pour l'instant en termes de vision, CLG n'ont pas trop la main sur le Drake. Non. Seraph contre Darshan, la pression toujours mise par Darshan, regarde l'écart gold hein. Bien évidemment il y a les 4 assists et le kill qui font que Seraph finalement je pense qu'en termes de gold global il est pas loin derrière. Par contre en termes de farm il y a quand même 30 creeps déjà d'avance en faveur de Darshan. Mais c'est normal, hein, c'est le match-up qui veut ça. Du coup là, côté niveau botlane, on va voir Akio et Apollo qui vont du coup là récupérer le farm. Stixay et Aphromoo qui vont simplement back, ouais. Chercher à aller plus loin. Il y a un full back là quand même qui est orchestré, top side, bot side en même temps. La mid lane vient juste de revenir. Si un push organisé là, ça va être compliqué de... Oh, c'est cancel. Ah, ça c'est vraiment dommageable. Heureusement, il n'y a pas de jungler disponible, il est à la base, Lyra. Ça aurait pu être préjudiciable pour le carry des SLG. Les CLG qui ont du mal à synchroniser, j'ai l'impression. Bah ils ont fait un back quasiment synchro. Le problème c'est que Stixay s'est fait cancel. Du coup je sais pas s'il sera sur son power spike par rapport à Apollo. Parce qu'il doit aller acheter du stuff le carry AD des CLG. Ouais, ouais on passe les gars. Là on a le power spike de la hache sur sa BRK. Il va pouvoir faire pas mal de dégâts sur les tanks finalement, parce que c'est sur les PV max. PV actuel. PV actuel pardon. C'est les pourcentages de PV actuel. Et on a le hero de la fight qui est commencé par les CLG. Qui va être disengage, on a quand même une menace, hein. Une menace Envious qui est là, au-dessus de la tête des joueurs CLG. Oui, et Nisqy sur la mid lane toujours, hein. L'affrontement... c'est un peu la guerre froide. Hein, ouais, mais de toute façon tu peux pas faire grand chose. Tu peux pas faire grand chose sur un Vladimir, hein. C'est compliqué. Voilà, le but c'est juste de farmer, la cache qui touche encore une fois. Aphromoo qui fait une très bonne game avec sa Morgana. Pour l'instant c'est un peu cher payé dans le sens où mécaniquement il a rien raté, mais son pick a pas fait la diff. Directement. Ah, on dirait faire le Drake hein, côté NDS, du coup directement l'engager, il n'y a pas de vision côté CLG, donc ça va être fait assez rapidement je pense pour le moment. Là, y a, ouais bah surtout que les rages, voilà. Pas l'info et Elise sur un Drake, c'est assez simple hein, de pire. Voilà, surtout qu'Apollo va rejoindre, on n'ose pas trop du côté CLG, on sait qu'on n'a pas trop le power spike, c'est une compo qui est plus orienté teamfight mid-late game, mis à part ce Renekton, là où en face on a des pics qui peuvent quand même s'activer, notamment je pense Syndra et Elise qui ont une très bonne synergie. Sur un concon, tu peux du coup mettre une dispersion des faibles et beaucoup de dégâts qui peuvent. Beaucoup de bursts finalement qui peuvent s'abattre sur les CLG. Ouais. Sur un pick-up, ouais. Bah clairement, ouais, notamment sur Stixay. Oui, ça va être plus compliqué parce qu'il a sa flaque. Il a la poule, effectivement. Puis Aphromoo toujours. Après, le truc c'est de le setup parce que c'est dur de mettre un contrôle à cause du Black Shield, donc c'est la porte de sortie des CLG pour tenir dans cette game. Et voilà, le but c'est de faire grossir cette Caitlyn avec ce skin complètement chelou. Très bizarre, le Pulse Fear. Alors que finalement le projet est largement mieux. Hein. Beaucoup plus travaillé, j'ai l'impression. Ouais. Et le topside, voilà, on revient du côté de Darshan. Il y a les deux téléportations des top laners disponibles, donc ça veut dire possibilité d'intervenir à n'importe quel moment. On a aussi un flash à côté Dardoch, on pourra facilement faire un engage au coup de bidon flashé. Ouais, le body slash. Pour l'instant, c'est opération farming pour le Gragas de Dardoch. Et bah, du coup, on va organiser un push sur la mid lane. Ouais, 5,5 de KDA hein, sur Syndra. Au spring, Sal Challenger Series. C'est pas mal. Ouais, c'est. Bah, en même temps, Nisqy il a très très bien joué chez Fnatic Academy. Hein. Ça a été un des artisans de la montée de Fnatic Academy en LCS Europe. Maintenant récupéré par cette superbe structure Kenip avec une disparité de joueurs incroyable. Pendant qu'Apollo récupère une tour, la première des Envy. Et les cargoles est toujours en faveur de l'équipe Blue Side Ita. C'est les jeux qui n'anticipent pas les rotations hein, des NDS, on le voit, parce que cette fois, elle aurait pu être protégée, mais bon. Ouais, mais c'est pas. Au final, on arrive à la compenser, on va récupérer le blue buff dans la jungle adverse, prendre un peu de vision et. Attention à Seraph quand même. Oh, on va même pas essayer. Hop, ça va être récupéré. Ah, il va l'avoir. Ouais. Donc là, les CLG qui sont un peu, comment dire, hésitants dans leur manière de jouer les CLG. Ils veulent absolument attendre que leur carry AD soit fort, j'ai l'impression. Maintenant, ils laissent le champ libre au Envy. C'est vrai qu'en termes de macro, ils sont vraiment pas bien là les CLG, parce que c'est les NDS qui font toutes les rotations, qui prennent toute la vision partout. J'ai l'impression que les CLG sont vachement voilà, enfermés dans leur terrain. Quoi. Ils ne ouais, bah, pas aller trop loin. Ils n'ont pas de capacité de trade en fait. C'est-à-dire qu'ils sont juste défensifs, ils mettent des trappes et le but c'est de toute façon c'est de turtle. Et à 30 minutes de jeu, sur l'optimisation 3 items de la Caitlyn, il y a des chances qu'ils sortent et là qu'ils deviennent très forts. Parce que par contre, sur un trap de Caitlyn dans la cage d'Aphromoo, ils peuvent tuer à peu près n'importe qui, sauf éventuellement le Shen de Seraph qui a sa zone. Mais zone, ouais. Les autres vont prendre vraiment très cher. Pour l'instant, voilà, ce héros de la faille qui ne sera pas engagé pour le moment. Et oui, qui va récupérer un turn top lane. Pendant ce temps-là, Apollo qui push. Apollo qui sécurise les creeps. De toute façon, il n'y a que ça à faire. C'est farmer dans ce genre de game. C'est les LCSNA, on le sait. De toute façon, dans l'Amérique du Nord, il y a un seul truc qui compte, c'est le baron. Donc tant que c'est pas l'heure du baron, c'est pas vraiment l'heure de. C'est pas l'heure de jouer. Il faut juste farmer. Et voilà, les trappes de Stixay hein, qui vont poser des problèmes hein, en termes de push au Envious. Ouais. Difficile de contrer ce genre de mécanique. Ouais, on va sonder la ward hein, côté CLG. Et pour l'instant, le mouvement se fait topside hein, de la jungle des CLG. Ils sont totalement volés quoi. Ouais. Ils peuvent rien faire. Bah là, ils ont pas envie. Oh, attention, Stixay qui prend un burst absolument colossal. Mais Nisqy n'ira pas chercher le kill. Le joueur francophone qui. A tout mis, tout son skill sur ce presser. Ouais, c'est qu'il va quand même lâcher le heal. Ouais, et le Black Shield. Il y avait heal et Black Shield. Ce qui est quand même très handicapant pour le prochain fight. Et toujours un écargol de 2K. C'est pas majeur hein, à 20 minutes de jeu. Mais il y a ce dragon quand même en avantage des Envious. Et le baron est live. Ah. C'est pour bientôt, je pense que le A-Nature, le fameux. Ouais, c'est entre 25 et 30 minutes de jeu, généralement il y a un moment où les joueurs commencent à s'emmerder. Ils savent plus quoi faire, ils se disent mais comment on fait pour terminer cette partie. Et là il y a Gonage alors que personne n'est mort, qui a 12 wards dans le pit. Ah, là on va tout de suite, hein. Attention, oui, il va d'ailleurs directement sur Apollo, on va mettre un maximum de dégâts. Attention, l'ulti Shen qui a été engagé du coup sur Apollo, lui qui est en mauvaise position, là il y a l'exhaust qui est passé. Oh, l'arrivée des CLG, les taux se referment, Apollo qui va flash out dans les buissons, c'est pas mal joué, par contre il va être récupéré directement par Dardoch. Apollo qui survit, Apollo qui se retourne, Apollo qui met les dégâts et derrière c'est le kill du support Nisqy qui marque un très beau but. Ça ne passera pas entre Stixay où il va essayer d'aller jusqu'au bout, ça ne marchera pas. Le Black Hawk qu'on peut t'équêter, tanké par le Black Sim, ça suffira pas. Directement en forme d'araignée, le Q-Spell qui va du coup abattre Stixay. Et c'est un kill de plus pour Lyra dans cette game. Alors OI qui s'est bien un peu trop grand, je pense. Tenter un flanking un peu spécial et qui s'est s'est fait vite contrôler un Lexos qui a été directement claqué sur, sur son burst. C'est directement le Nashor qui va être... Le Nashor, mais il n'y a personne. Non, mais pour le coup là c'est safe, pour le coup il n'y a pas de problème. Nashor, mais que se passe-t-il en LCSNA et les Envious qui sont en train de boire les CLG, eux, leurs fans et leur baron Nashor. Un Aurelion Sol n'est plus là et tout est dépeuplé pour les CLG qui bégayent un petit peu leur League of Legends dans cette game avec maintenant un écart goal de 4K et un break qui est réalisé notamment grâce à Apollo. Apollo survivant des enfers. Hein. Ah, Darshan, ouais, il a quand même réussi à stopper la téléportation. Ouais, regarde Apollo, qui se passe vraiment excellent en bien, même s'il y a eu le tonneau, il a réussi, voilà. Continuer de kite ses adversaires, mettre un maximum de dégâts, ça fait le travail. Hein. Ouais. Puis la Lyra qui est vraiment la... Ouais, c'est dommage, Nisqy mais la dispersion des faibles. Et là, très bien joué, hein. Il active et tout de suite il bague, ça permet à l'air en fait. Paf. Le cocon était discutable, mais. Ouais, bah après il y a Black Shield, de toute façon. Black Shield avait été lâché justement pour tanker des dégâts. Bah, je pense que Aphromoo a cru que l'air allait directement flash cocon. Finalement, non, ça n'a pas été le cas. Et du coup, il a pu passer tous les dégâts. Et là, on voit les dégâts, hein. C'est assez faible. 3480 à 23 minutes de jeu. Faut partir, faut pas rester là, faut attendre. Ouais, bah là il faut tempo au maximum pour l'Envy. Et t'as vu 3000 de dégâts hein, pour un ADC à 20 minutes de jeu, c'est absolument énorme. C'est énorme. Une fois qu'elle a BRK après, H, c'est vraiment. Ah, c'est full DPS, en même temps il fallait DPS, la terminer. Et c'est là le pile de Akio, hein, la porte de la montagne qui dérange énormément les joueurs CLG. Hein. Et une tour qui tombe en plus. Oh là, ça sent bon, ça sent bon la victoire. Déjà, tours, le power play là du baron qui va être bien rentabilisé, j'ai l'impression. Ouais, pendant ce temps, oui, bah voilà, il tente de compenser. Ouais, c'est oui. La version solo queue quand tu pars seul sur ta lane. Tu peux jusqu'au Nexus, tu blames ta team, ouais, coup, le trek des océans qui va être pris par les Envious. De manière générale, les Envious font attention hein, aux objectifs neutres hein, de la map, ça dans les stats. Plutôt bien géré. What? Ah oui, pardon. Non, rien, j'ai bugué sur la prise du blue buff de Nisqy. Nisqy 1-1-2, 243 creeps pour l'instant. Lyra et Apollo ont pris le gros des kills, mais le joueur encore une fois francophone qui... marque la game de son empreinte, même si tout n'est pas parfait. Son arrivée au LCSNA a l'air d'être des plus prometteuses. Effectivement, ouais. Et là, ouais, on va falloir aller chercher cette T1 top, hein, cette T1 top qui est extrêmement low HP. C'est des sous gratuits, hein, faut vraiment les prendre, faut pas attendre trop longtemps, mais là directement ils vont s'y rendre. Akio et Apollo, ouais, les bros de la bot lane. Les bros, les meilleurs potes. Akio, c'est le bro, c'est bien connu. Prendre la vision, hein, Akio qui va aller, voilà. Ouais, de toute façon là, le truc c'est de faire une ultime rotation pour, il reste une minute de baron, venir chercher cette T1 top qui va pas être défendue nécessairement par les CLG, placer la barre de diff gold à 10K. Derrière, là, les CLG en fait... récupérer une T2. Hein. Ah oui, ils sont censés avoir un power spike à 30 minutes, et là ils vont l'avoir à 45 en fait. Parce que revenir de 10K gold, ça demande de clear pendant des heures et des heures, et je suis pas sûr qu'ils aient les ressources des CLG là. Ça va être compliqué, un Stixay qui a pour l'instant uniquement que 2 items. Donc certes, il a quand même bien farmé, mais en termes de stats, pour l'instant, il a 0-3-0, il a pas pris de gold sur aucun des fights. Ouais, Aphromoo qui a lâché le Black Shield, il n'y a plus de Black Shield, donc on est obligé de reculer. La menace de Akio et Apollo, et la 2T2 qui tombe, la T2 mid qui va tomber aussi. Ouais, c'est bon. Très très rentable ce baron, hein, Zaboutine. Ah bah, c'est difficile de faire mieux. Hein. T1, ils ont pris quoi? Ils ont pris 3... 4 tours. 4 tours, ouais. 4 tours, et on passe à 6 tours. Hein. Les CLG qui avaient ouvert la first brick, qui désormais... Voilà la barre des 10K qui est passée par les Envious. Attention, oui, qui va se faire intercepter là. Là, il pourra plus rien faire, je pense. Je pense que là, il faut qu'il tente quelque chose. L'ultime push peut-être. Là, elle a été vue, le juke, là qui passera pas. C'est la bandit qui va partir. Attention, Seraph qui met pas mal de dégâts sur oui, qui tente quand même de survivre. Il utilise la poule, le go out. Ouais, le problème c'est qu'il y a l'ulti derrière Seraph qui va venir en terminer le mid laner des CLG. Ouais, il n'y a plus d'essence dans le moteur côté CLG. Hein. Ouais, puis Morello qui va du coup empêcher hein, la régène de ce Vlad. Et voilà, Apollo qui maintenant avec son 2-0-3 et son danseur fantôme avec en plus l'ex drinker se retrouve dans une position ultra favorable pour tanker les joueurs CLG, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de dégâts magiques côté CLG avec Vladimir, avec Gragas et avec Aphromoo. Donc l'ex drinker qui permet de subvenir aux besoins défensifs de cette hache. C'est étonnant qu'il n'est pas parti sur une QSS, c'est quand même une cage de Morgana, il y a quand même... Bah c'est suffisant je pense. Enfin, je pense que le but c'est de faire aussi des dégâts. Ouais, et puis d'aller essayer de terminer vite la game je pense. Ouais, je pense qu'il y a une volonté comme ça du côté de Apollo. 7000 gold dans le baron powerplay c'est... Ouais, c'est assez rare. Assez la moyenne en LCSEU elle était à 4K4 je crois. 4K, ouais, je pense. 4K3 on avait regardé, ça. La moyenne des power. 4K2 ouais, donc 7K c'est... Ouais, c'est monstrueux ce que viennent d'infliger les Envious au CLG. Les CLG qui sont en mode mom spaghetti là au niveau des jambes. Ça voit flou, ouais. Ça respire dans des inhalateurs. C'est exactement ça, ils ont sorti les ventolines. Ça rappelle ces fameux gifs, tu sais, avec le sac en carton. Voilà, les CLG ils sont en train déjà de quasiment call la draft de la prochaine game. Hein. Ouais, je pense que là ils ont. Bah, le truc c'est que tu peux toujours défendre, tu sais jamais en fait sur un bon fight tu stalls, mais y a personne qui est bien. Regarde, y a 2 items sur Stixay, il faut attendre encore un item complet avant vraiment d'avoir une Caitlyn efficace. Alors qu'en face, Apollo il a déjà terminé 3 items, donc l'écart goal il est absolument monstrueux. Là encore une fois, oui, qui essaie juste de, je sais pas, de ralentir le flux de la game en faisant voilà, du full split. Mais je suis pas sûr que ça marche indéfiniment. Nisqy qui tente de pick up sur Stixay, ça passera pas. La dispersion des faibles qui ne touchera pas. Attention, le stone engagé de la part de Seraph directement. On va mettre le coup de leader titanesque. Ouais. Très très mal. Très bon FCR d'ailleurs. Bah, le titanesque c'est très fort. Oui, qui nous fait la version Singed Proxy. Il va tenter en bas, ouais, du beau spectacle en LCSNA. Des Vladimir Proxy qui utilisent des poules. Sans aucun backup, elle va se faire crucifier directement par Lyra. Ouais, c'était. Oh, pendant que Darshan. Oh, alors ça, c'est une strat. Elle est belle. Ah, parce qu'il faut compenser. Tu te suicides et moi derrière, je vais en cross-map récupérer un truc. Bah, on attend de voir ça. On attend de voir jusqu'où ils peuvent aller avec ça. 10K gold. 10K gold, il va falloir quand même accélérer un côté Envy. Ouais, Envy chercher une fight. Hein, Bah, là, ils vont aller prendre le baron, terminé après. Mais c'est tout à fait singulier en fait ce proxy Vlad. Pas trop. Si jamais il gagne le BO, on aura sûrement l'explication pendant l'interview parce que je ne vois pas ce BO ne pas aller au meilleur des 3 games. Bah, je pense que ça va être compliqué pour s'agir de revenir à part si vraiment ils arrivent à se réjouir de pouvoir commenter CLG Envy une game de plus. Ça fait plus d'expérience pour toi, Ita. Oui, ça permet de. Je suis preneur, effectivement. Plus il caste, plus il devient fort. Plus bon, Yuka si vous monte. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pareil que sur League of Legends. Il faut beaucoup jouer. Et Darshan ouais, qui continue. Bah, j'ai l'impression que les Envy, attention quand même à pas tomber dans cette espèce de vide intersidéral où tu fais rien et tu laisses l'adversaire revenir. Après ça va, on est à 56K gold, 45 en face. Les CLG ils ont besoin d'un 60-70K gold pour être full stuff. Donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Hein. Les Envy ont largement l'avantage. Ouais, en plus, directement on va aller récupérer la vision au niveau du baron. On va contrôler totalement la top jungle des CLG. Tout de suite on fait le ménage. L'avantage avec quoi là, avec Akio, Lyra et Apollo, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts, donc sur un catch ça peut aller très très vite, très rapidement, et puis il y a beaucoup de bursts hein, côté NGS avec cette Elise. Donc là il bouge à 3 et s'il rencontre quelqu'un... ouais bah ils vont le burst, mais le but voilà. C'est ouais, juste de couper le flux de vision des CLG. Et dès qu'il n'y aura plus de vision du côté CLG... Ça ping le baron, Dardoch qui va tenter voilà, de mettre un tonneau pour prendre la vision. Ouais mais là ils sont en train de clear la vision super loin. Un petit sur Akio, ça touchera pas, on tempo, Akio qui va aussi remettre son passif pendant ce temps. Eh bien le baron est en train d'être fait, attention peut-être un move, l'ulti justement défensif, le smite s'est récupéré. Et là ça va être la colère des Envious. Ouais, très lucide Akio hein, sur son ultimate là, qui a totalement empêché un éventuel style de Dardoch, hein, même si ça a du mal hein, parce que il y a quand même un niveau de plus sur l'Aera, donc le smite est quand même plus avantageux. Et là on l'a bien, ça a fait Darshan qui est légèrement dessus d'ailleurs, c'est surprenant. Attention qu'il est en Dominus. Le taunt. La route va venir arriver, incroyable. Apollo qui a décidé de venir donner un petit coup de main à Seraph. Crucifié. Du coup le glas. Crucifié sur cette flèche de cristal. Crucifié. Ah c'est vraiment de la faute, t'as pas de chance. Hein. C'est vraiment la faute. Du bout des doigts. Du bout des doigts. Ah oui il la sort. L'ange s'est envolé. Oui attention sur le flanc de Apollo. Oh, Apollo il ne le savait pas encore. Il se retourne, Apollo qui met tout. Apollo qui face. Apollo, la part d'Apollo. Il a encore envie de qu'il a dû couper de la part d'Aphromoo. Il y a beaucoup de dégâts de la part d'Apollo. Énorme dégâts justement d'Apollo qui continue. Il n'arrête pas de DPS, personne n'arrive à le faire tomber. Il est trop résistant, les gargoles. Et juste sanglant le double kill de Nisqy qui vient pulvériser les CLG. Lace est scoré 15-2. Au revoir d'être venu. On peut aller prendre le Nexus et il y aura une game 3 entre CLG et Envy. Incroyable, Apollo qui a eu peur de rien, Apollo qui s'est dit bah je vais face, je vais attendre mes copains. Parce que justement l'apport de la Bjergsen aussi un peu de lifesteal finalement. Ouais. Ça l'a bien aidé. Darshan qui a fondu hein, sur cette BRK, rien pu faire. Incroyable. Et la Nisqians qui gagne. C'est la game en faveur des Envious. Une game très très bien menée. Apollo, Akio, Nisqy, Seraph et Lyra. La team Nisqy qui va se réjouir dans le chat. Ouais. Non, très bon, il a été bon franchement, hein, même si la game 1 s'est pas passée comme il le voulait. ouais non, il est très correct, hein. GG à eux, très bonne game. Non, très bonne game des joueurs de Envious. Bien évidemment, on va attendre la game numéro 3, Ita. On aura donc une balle de match, la deuxième BO de cette soirée. Je ne sais pas ce que ce sera. C'est Immortals Dignitas. Immortals Dignitas, ouais, donc ce sera aussi une très belle soirée de League of Legends. Voilà, on va faire une courte page de pause en attendant la prochaine game. Restez avec nous sur OGaming. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet OGaming et avoir toujours plus de casts de qualité. N'hésitez pas, voilà, à envoyer des feedbacks aussi à Ita. C'est son premier, ouais, il apprend à faire son pipi tout seul, donc encouragez-le. Et on se retrouve après une page de pub. À tout de suite. Et on est de retour pour la dernière game de cette rencontre, 1 partout. Le chat un tout petit peu biaisé, un tout petit peu parti pris. Bon. Que 98% des gens pour Nisqy, que ça. Pas pour Envious, hein, pour Nisqy. Hein. Ouais, pour Nisqy, non, faut être sérieux, Nisqy serait dans l'autre équipe, on inverse les scores. Hein. Donc voilà, un chat un petit peu parti pris, mais pourquoi pas, hein, nous on aime bien la prise de parti. C'est oui, quelque chose. Il a été au niveau, hein, donc il n'y a aucun problème. Hein, donc, oui, c'est bien. C'est un bon joueur. C'est légit. Il aurait dû officier du côté des LCS Europe sur voilà, à la place du millénaire qui actuellement sert de paillasson au groupe A chez les NAP. 3e game, Ita. Pronostic, envie. Est-ce que tu oses braver le chat et aller contre 98% non, de la vie populaire? Je n'oserais pas. Bon, en tout cas, en termes de draft, ça a été plus intéressant parce que le ban du Temkench, du coup, a été une solution. Après, je ne sais pas si oui, il y aurait pris un Aurelion Sol, ça aurait changé quelque chose ou pas. Mais en tout cas, ce ban de Temkench a été assez efficace parce que du coup, tous les pick-ups qui ont pu être effectués durant la game ont été efficaces finalement. Enfin, on l'a vu, hein, sur les dives, etc. Bah, surtout en fait, quand tu joues une Syndra, t'as pas envie de manger un Kench en face. C'est le donc oui, et puis Aphromoo avait effectivement été décisif, et après bon, bah, une game qui a été dans l'ensemble le mieux jouée, hein, Apollo, oui. un peu plus libre, ouais, plus en confiance, voilà, genre, et finalement, et eh bien Gardoum, la Jarde avait vu juste aujourd'hui des rencontres très disputées. Il avait vu juste, il l'avait dit, hein, qu'il y aurait Tu regardes les 3 games, pas forcément de 2-0. Même si la game 1 était quand même assez en faveur de cette. Enfin, la CLG a gagné, mais on la main, c'est ça qui est assez surprenant. Voilà. Mais bon, voilà, il suffit d'un petit snowball, il suffit d'une bonne draft. Voilà, et bah, on va voir. Bon, je t'avouerais que je préférais que Nisqy l'emporte. Oui. Je n'ai absolument aucune affinité avec, avec CLG. Bon, avant. Avant l'époque de ChatGG. Ah ouais, ouais, encore, moi j'ai toujours aimé. Parce que sachant que c'était une équipe emblématique des NA, j'ai toujours aimé quand ils se sont roulés dessus, tu vois. Ah. Mais y a le Revivals qui arrive, donc on va pouvoir enfin et une bonne fois pour toutes, pouvoir annoncer que EU supérieur à NA. Une fois de plus, ouais. C'était le cas MSI. Après on a un G2 qui joue pas ouf en ce moment, c'est le problème. Oui mais ça va revenir je pense. Petit coup de mou après bon, autour de MSI. Même une équipe de bas de tableau européenne ne bat-elle pas finalement le top NA? Évidemment, je le pense sincèrement, comme toi je pense. Est-ce que finalement Gardoum ne finira-t-il pas en sang, les fesses en chou-fleur une fois de plus dans les locaux de gaming? Les fesses en choucroute même je dirais. Probablement, probablement. Du coup alors au niveau des bans, chez NDS on décide de ban encore une fois le Time Kench. Bon le Zac on va pas le rappeler un matin maintes fois, c'est beaucoup trop fort, on ne l'a absolument pas laissé open. Chez CLG on décide du coup de se débarrasser du Kennen, de la Leblanc et du Shen. Il reste un Galio. Et voilà ce Galio qui sera éjecté, un trèche. Côté CLG, directement Dardoch, le OTP Rek'Sai qui va être lock. Et d'ailleurs je suis très comment dire, surpris que la duo lane Rakan Xayah n'ait pas autant de succès en NA j'ai l'impression. Alors qu'en Europe c'est vachement joué. C'est vrai, c'est vrai. J'étais surpris justement de voir plus des Jhin, ce genre de pick. Je pense que la méta n'est vraiment pas proche de celle des EU quoi. Mais les NA ils ont toujours eu leur façon à eux d'appréhender. C'est vrai qu'il y a deux visions de jeu différentes. Voilà, hein. la Ligue des légendes. Allez, mange ta duo lane Caitlyn Braum. Voilà, là déjà, t'as une composition qui bouge bien pour l'Envy. Effectivement, est-ce qu'on va du coup peut-être récupérer encore une fois la Morgana, peut-être Apollo pour justement essayer de contrer au moins ce Braum qui peut être un problème finalement. Notamment par sa marque, et on décide de partir sur un Warwick top. Non, non, ouais, ça troll. Je me fais bait, je suis nouveau, je me fais bait. Non mais il fait voilà. Du coup on repart sur la hache, ouais. C'est bon, ça m'aurait étonné, après moi ça me ferait bien rigoler de voir même de la Rek'Sai top. Hein. Ouais c'est bizarre quand même, c'est surprenant. J'avais essayé, ça n'a pas été concluant. Contrairement à Tension qui est quand même dit, il y a des plus grands pics de tous les temps. Mon Sion, bah oui, mon Chouchou. Le Chouchou Sion, voilà, j'attendais un trèche pour Aphromoo. Un personnage qu'il maîtrise très bien, qui lui donne beaucoup d'impact dans les games, qui lui permet de pick-up, qui lui permet de roamer, qui lui permet de pile, qui lui permet de sauver ses alliés à grands coups de lanterne. On a de la replacer effectivement. Aphromoo est vraiment un fan des supports un peu mécaniques justement. Son barbe, ouais, Alistar, tout ce qui a de toute façon tout ce qui a du contrôle. Je le préfère largement que sur des champions POC de style Zyra. Ouais, Zyra Lulu. C'est vrai que c'est un peu style de jeu quoi, c'est différent. Et Nisqy voilà, qui va repartir sur la Syndra. Il était confiant, je pense qu'il n'y a aucune raison de changer pour l'instant. Et ils ont tout de même le Aurelion, alors qu'ils avaient cette Syndra. C'est-à-dire que vraiment Syndra qui n'a aucun problème, hein. Aurelion contre Syndra, il se fait victimiser la plupart du temps. Et bon, on a préféré pas laisser UI la possibilité de prendre ce champion, le gros Necton qui sera dégagé. Ouais, la Fiora aussi, hein, c'est vraiment qui va être ban. Je sais pas ce que va ban du coup les CLG, peut-être un Gragas. Possiblement, je ne sais pas. Et ce sera Nida de Lyra. Bah, c'est vrai que la compo pick-up, Nida, Caitlyn, la compo de siège avec une Syndra en plus, bien insupportable. Peut-être. Y a des chances pour que Lyra reparte sur une Elise, peut-être. Ouais, Caitlyn, je ne pense pas. Oui. Voilà, full pick-up. Full pick-up. Là il va falloir une front line hein. Pour CLG là il faut du tank hein. Parce qu'ils peuvent pas se permettre de faire une draft et que du squishy contre ce qui est en face hein. Là effectivement c'est du Gragas, c'est Warwick. Moi je verrais bien Jarvan honnêtement le comique de répétition. Le fameux wow. Jarvan c'est bien parce qu'effectivement c'est assez squishy. Et je pense qu'il faut vraiment là il faut un tank quelque part. Alors déjà un pick safe pour oui. Moi le Gragas top, je cracherai pas dessus. Je pense qu'il peut être ok effectivement. Donc il va du coup là prendre le pic de son top laner. On part sur un Kled finalement. On décide voilà de partir sur... Grosso modo on anticipe probablement le pic de Jarvan. Parce que Kled ça a plutôt une bonne réponse face à Jarvan. Ouais bah contre quasiment tous les corps à corps en fait. Voilà, c'est assez efficace. Le Kennen et il est ban. Le Rumble. Rumble peut être intéressant aussi. Après, ça fait beaucoup de dégâts magiques. Oh, tu te fais bien défoncer. Magiques, tu prends, parce qu'une fois que tu peux pas éviter le grappin. Et ce sera un Jarvan. C'est pas facile à jouer. C'est pas facile, mais il y a une Elise. Il y a un combo de roaming Elise, Syndra, Jarvan qui est ultra balèze. Non, on a une... Moi j'aime bien la compo Envy. Plutôt fan aussi, j'aime beaucoup hein, justement cette capacité à pouvoir pick up. Et finalement, enfin, le Jarvan apporte aussi de la tankiness et puis aussi surtout des dégâts, parce que ça fait quand même pas mal de dégâts Jarvan. Elle pourrine la compo Envy. Oui, la compo Envy, c'est la compo YOLO dive 20 minutes. On a une botlane qui peut push rapidement, qui a beaucoup de contrôle. Je pense que ça... En termes de draft, je pense à l'avantage d'Envy pour le moment. Ouais, et le wave clear, alors c'est pas qu'il y a un mauvais wave clear pour CLG, on a une hache, on a un Vladimir, sauf que le Vladimir, le wave clear il se fait à la vague de sang. Quand tu te manges Caitlyn Braum avec des pièges, une ligne de pièges, un Braum avec la porte de la montagne, une Syndra qui te met des dispersions des faibles et des Q-spells, voilà, il faut batailler, et une hache qui pareil à tout moment peut se faire dégommer. Donc vraiment la phase de siège telle que Envy peut la faire contre les CLG, elle est dure à gérer. Elle est vraiment dure à gérer pour CG, ils n'ont pas intérêt à passer derrière. Il y a quasiment, sauf le top, que des lignes qui peuvent prendre l'avantage. Donc on a une Elise qui va pouvoir peut-être aller invade librement Dardoch. Elise en contre Rek'Sai, je pense que Elise fume Rek'Sai. Je pense qu'elle le fume, ouais, effectivement. Après, vraiment, au niveau de early mid game, les mid game sont monstrueux. Hein. On va avoir un Jarvan, une Elise, une Syndra. Beaucoup de burst finalement en ce mid-game là, donc il va falloir faire très attention côté CLG, justement pas perdre les lanes, surtout pas perdre les lanes parce que... Il va falloir engage, donc c'est là en fait où l'engage, soit Darshan arrive à très bien utiliser son ulti pour aider, et on commence à savoir utiliser un Kled, que ce soit en Europe, en NM, même en Corée. Il y a eu beaucoup de mal au début à mettre des ulti Kled, on va dire décents. Là ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de gros tank. Donc même si Darshan arrive sur Seraph, il peut lui mettre la misère. Mais si Darshan n'arrive pas à s'imposer avec son Kled et s'il n'arrive pas à mettre de bons ultis, dès que les premières QSS ont commencé à pop, et il y en aura, ça va être très dur pour CLG d'engage. Par contre, d'un côté comme de l'autre, peut y avoir le stomp total, peut y avoir la machine, le bulldozer, la blitzkrieg. C'est vrai que niveau engage, côté CLG, on a encore le grab d'Aphromoo, la peine capitale de Aphromoo, l'arrow de Stixay, un ulti de Darshan, et éventuellement un flanking de Dardoch. Mais alors que côté Envy, finalement, on a vraiment possibilité de engage, mais en forme de gros pack. J'ai du mal à m'exprimer, mais voilà, ça peut vraiment aller très vite sur un flash cocon. Il y a vraiment de gros follow-up en fait. C'est vraiment flash cocon, presse air de Nisqy, tu mets un piège sous les pieds du mec, Jarvan qui dashine. Non, c'est voilà, c'est la combo je t'implose. Maintenant, pour moi, cette game va se décider pendant dans les 15 premières minutes. Voilà, celui qui sort gagnant dans les 15 premières minutes prend l'ascendant et normalement, sauf erreur, mais voilà, on en est là, sauf erreur. Tout est possible finalement. Tout est réalisable. Tu as ramené ton nez rouge et ton chapeau. J'y crois, c'est le jeu de la vie. La Clown Fiesta peut-être. Mais on a en plus on a un sac entier aux locaux, enfin on a des armoires entières de déguisements qui sont accumulées au bout de 6 ans de gaming. Donc des chapeaux, des nez rouges, des serpentins, des cotillons, des trucs, on a. Bah, attention parce que pour l'instant Darshan qui vient de prendre un trade face à Seraph qui est déjà mal en point pour ce début de lane, ça va être compliqué du coup pour un Jarvan. Le grappin qui passera pas pour l'instant, Darshan qui hésite pas hein, à aller de front face à Seraph qui était complètement deny là. Il essaye de faire partir Scarl. Et en plus on est parti par la route Corbin, donc on sera là très tard hein, pour les rats. Il y a pas de... Ça va être un full clear de la jungle quasiment. Ouais. Il y a pas d'aide à espérer. On va décider de push la lane côté Envious pour le moment. Alors Dardoch d'ailleurs effectivement qui va peut-être... Alors Carapateur, on a une duo qui bouge. On n'a pas de vision, est-ce qu'on pourrait avoir pas un petit move de Dardoch? Non, on préfère se recentrer un petit peu sur la mid lane. Nisqy qui attire effectivement les... Oh, et la flash out de Nisqy. Flash in and burrow first blood. Ça va très vite hein. Je l'ai pas vu arriver, honnêtement je l'ai pas vu arriver, ça allait très vite. Le flash in de Hui directement sur la jetée de son et le Ignite. Derrière le Umboro. Et parfaitement bien réalisé. Il a mis un burst, oui, bah, le flashing vague de sang, transfusion améliorée, Ignite. Déjà c'était un midlife et effectivement ils sont venus le chercher. Et pourtant il était pas à côté, un très beau gank de Dardoch. Nisqy, ça fait 3 games qui subit un petit peu les foudres du jungler CLG. Ouais, ça du coup c'est Lyra qui va devoir défendre. Hein. face à ce Vladimir. Et voilà, Darshan, ce top qui est plutôt à l'aise, hein. Il n'hésite pas à push, il sait que l'Elise est mid-lane, donc on ne va pas hésiter, voilà, à push cette lane en étant safe. On va avoir l'action. Paf. C'est dur. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il flash assez rapidement, il gride pas ses summoners. On a l'apport de la montagne qui va être instantanément placé. On est à un tick du stun. Attention, l'arrivée du coup de Lyra, le stun qui a passé. On passe forme d'araignée, le Q spell et TP. Mais il n'y a pas assez de dégâts. Akio, le flash out. Et Darshan qui arrive en plein milieu. On se retrouve à 4 contre 3 sur cette botlane. Pendant ce temps-là, Dardoch qui fait ses courses dans la jungle de Lyra. Effectivement, c'est une game qui commence très bien. Comparé à celle de tout à l'heure, c'était beaucoup plus mou. Et là, voilà, on sent une énergie. On sent qu'NDS a l'air d'être vraiment confiant là-dessus. Et il y a une envie de kill, mais c'est que des lanes qui peuvent jouer de façon très agressive. Par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est Ui qui se met super bien au mid, Nisqy qui est un peu en retrait, et ça c'est pas bon parce que ça va donner entre Darshan qui domine, Ui qui domine, ça fait que Dardoch, voilà, dans ce top side, il peut se balader. En plus là, il vient de prendre beaucoup d'avance. Ouais, là il va prendre les combats, donc il va prendre énormément d'XP là-dessus. Il se met bien Dardoch. Il a une assise sur le, enfin il a le first blood et en plus le top side de la jungle. Il va se mettre plutôt bien effectivement. Et Darshan qui est aussi plutôt confiant, alors que voilà, Seraph est un peu en PLS, hein. Niveau du farm, 19, on va prendre pas mal de retard parce que là Darshan va récupérer la wave. Ouais, et puis il se laisse push, hein, tranquille, puis il sait que le trade il est vraiment pas facile, donc c'est le moment. Lyra on l'attend, moi je l'attends sur la top lane Lyra. Parce que j'attends lui qui donne un petit peu d'aide à Seraph, parce que c'est vraiment pas facile de venir gank la lane Stixay à Aphromoo avec cette lanterne et repositionnement de trèche. Ouais. On l'a vu, hein, même avec un flash cocon directement sur Aphromoo, ils ont manqué de dégâts. Le mid pareil, ou I, c'est pas évident, faut vraiment que Nisqy arrive à placer ses contrôles. Il y a une ligne, enfin il n'y a pas de ligne facile à gank, hein. Darshan avec son reset d'aggro c'est pas facile aussi. Mais pour moi, avec le DPS d'un Jarvan, normalement tu peux la mettre cette pression. Ou alors tout simplement voilà, tu pushes, le push est décalé. Le push est décalé de tech. Voilà, du coup Darshan va récupérer son farm, on va voilà, du coup Seraph qui va poser un peu de vision dans la jungle des CLG. Ça c'est l'effort qui est bien, ça c'est voilà ce que Darshan n'avait pas fait tout à l'heure. C'est t'as l'avantage, t'as push sous la tour. Voilà, on revient sur cette ward qui peut être vraiment très importante, hein. Parce que si on a cette info là, on peut vraiment anticiper un break, quelque chose, on peut vraiment compenser un mouvement du jungler ennemi. Bah c'est surtout en fait, c'est un endroit où le jungler il a pas la vision, s'il a pas mis sa ward, il a pas la vision par rapport à ce qui arrive de la rivière. Donc en fait, t'as un mec qui est juste séparé par un mur en carton et tu peux le go in, enfin t'as apporté de rappel de Elise. Pareil, le Jarvan c'est extrêmement rapide de venir décaler. Donc en fait c'est vraiment le gank facile. Si Dardoch est là au mauvais moment, voilà, au mauvais moment avec cette ward, ça peut être un kill gratos et derrière un dive, une pression, une prise de tour. Donc elle est très bien cette ward effectivement. Elle est très engagée par Darshan qui met beaucoup de dégâts sur Seraph, qui est sur le point de mourir peut-être. On a le summoner quand même, on va quand même réussir à se débarrasser de la monture. Back, mais il n'y a plus de TP sur Seraph. Et l'arrivée de Lyra, Darshan. Il n'a pas été vu. Darshan, est-ce qu'il va pouvoir stacker? Est-ce qu'il va pouvoir stacker son Scarl? Et il est vigilant. Il y a l'arrivée aussi de Dardoch. Dardoch est niveau 6, hein, donc il peut à tout moment engager un ulti. Il est à niveau 6 pour Seraph aussi. Et Lyra il est derrière. Oh, en plus il s'en va. Ah, il tente le diable Darshan. Ah, il a été vu. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. On va juste aller back, hein, côté Seraph. C'est vrai que finalement ce match-up top lane n'est pas si simple que ça pour Kled. Il avait l'avance au début, il avait vraiment réussi à le mettre au fond, mais ouais, plus ça va. Regarde, finalement niveau farm c'est ok, hein. Je pense que ça va, plus en termes de trade c'est Seraph qui va gagner. C'est ça. En termes de burst, Seraph est devant, mais en termes de trade, au long terme c'est plutôt c'est ça. Bah, surtout en fait voilà, il y a une ferveur du combat, donc à partir du moment où les premières tours commencent à tomber sur la top lane et que les trades se prolongent un petit peu, il a besoin, Kled c'est quelqu'un qui a besoin de. Il a besoin de longueur. C'est un combat sur la longueur où il passe, il te poursuit sur une distance complètement stupide en te stackant des autos. Et c'est au moment où tu vas commencer à avoir du Tiamat Black Cleaver, tu vas commencer à shred un petit peu de l'armure, que là vraiment ça va venir fort. Seraph, lui, tout ce qu'il veut faire, il arrive, il jump in, il dunk et terminé. Sur la lanterne là qui a été donné à Dardoch qui va du coup go in peut-être. Le Ndoro directement placé sur Akio. Akio qui a réussi à faire un très bon juke là sur le groupe d'Aphromoo. Mais ça suffira peut-être pas, beaucoup de dégâts ont été passés par Stixay, le go back. Et non, ça passera pas. Dardoch qui va du coup prendre le kill sur Akio. On va essayer de continuer. Non, pas de continuation. Et il est absent Lyra. On le voit pas du tout dans cette game. Il a tenté un gank au bot. Et sinon il est pas présent. Dardoch qui fait un travail avec sa Rek'Sai, bah, il est en train de me faire revoir un petit peu ma position sur Rek'Sai. Il se débrouille plutôt bien. Bah, c'est un pick qu'il affectionne particulièrement quand même. Hein, Dardoch, il le joue depuis très très longtemps. Donc je pense que c'est voilà, cette méta est pour lui. Cette méta lui est dédiée. On pense à la Nisqy face à Oli. Nisqy qui a peur quand même, hein, qui ose pas aller chercher les creeps. On l'a vu tout à l'heure. S'il avait réussi à mettre un Q sur les casters. Il ne devait vraiment pas s'avancer parce que tu sais qu'à tout moment il peut se faire full burst par Oli. Avec le maraudeur en plus, hein, c'est pas évident. Et surtout, en fait, le problème c'est que contre H et contre Aphromoo, il a une purge qui, bah, dans le match-up contre Vladimir, bah, ça ne sert spécialement à rien. Donc, bah, t'as ce désavantage que vraiment l'Ignite, tu le ressens dans un trade comme ça. En plus, c'est un match-up de burst. Donc, l'Ignite, il amène un avantage incroyable. Oh, la flèche. Oui, peut-être. Le flash in d'Aphromoo directement, la petite crypta qui a passé, oui, qui met un maximum de dégâts derrière, c'est le rect est total. Rectono Tourbillon Sniper Historia Guerrier Akio qui aura sa deuxième mort dans ce match, le roaming de Akio complètement sanctionné par Stixay. Et Dardoch qui est vraiment partout sur la carte. C'est incroyable. Comme on le dit, il mange à tous les râteliers. Et là, Lyra qui est un peu derrière, du coup c'est différent de le voir. C'est vrai que quand il est devant, il a tendance à prendre justement à avoir plus de velléité sur la jungle ennemie. Mais là, quand il est en retard, voilà, il est vraiment absent de la game. Dardoch en position, Dardoch en soldat scout. Oh là là, Nisqy, le flash, très rapide, vous avez vu Darshan. Un petit peu panique flash, hein, c'est la pression, la téléportation de Seraph. Peut-être pour un... Pas dunk. Une tour, rien. Pas de dunk, on va peut-être pressuriser la mid lane. Ça réagit peut-être un petit peu trop vite, hein, chez Envius. Hein. Et on a Apollo qui est tout seul bot lane pour l'instant, voilà, qui sécurise ses creeps, finalement, parce que la fait la creep ne l'est. Hein. Si on peut accéder à du stuff plus rapidement, c'est tant mieux. Du coup, on va organiser un back côté Seraph qui va récupérer la wave au top, probablement. Et pour l'instant, pas de surprise, pas de first break. Tout à l'heure, on a vu justement à 7 minutes, on a eu ce décalage. Alors, c'est vrai qu'on a 10 minutes de jeu, mais normalement, c'est le travail qu'on attend de Apollo. Et Apollo, en plus, qui est en train de faire son intimidation push de tour. C'est-à-dire qu'il voudrait fight, il ferait une IE directe. Là, le fait qu'on le voit partir a priori sur Berserk plus un Zell, normalement, c'est l'intimidation. Je veux avoir un peu de vitesse d'attaque et commencer à poker un peu de la tour. Donc, on va voir, mais d'abord, c'est vrai qu'il faut qu'il se libère de cette bot lane. Les ganks, Lyra, il a pas fait un gank, on a fait un gank sur Aphromoo qui n'a pas amené un kill, on veut plus. C'est vrai que Lyra, il a pas été très présent parce que du coup, lorsque Nisqy est mort, il a dû du coup défendre mid, ça a permis du coup à Dardoch et à Darshan de prendre la vision quelque part, de prendre des camps. Dardoch, il a full clear topside, il est vachement en retard Lyra, et justement il n'arrive pas à compenser ce manque sur les ganks. Il a besoin de réagir, je pense qu'il doit vraiment bouger, quitte à sacrifier un peu de jungle, c'est pas grave, mais au moins voilà, mettre la pression sur la lane, je pense. Là, il a un niveau d'avance, il a bien farm, il a de l'XP, il peut se permettre effectivement de couper un petit peu pour aller invade, pour aller amener de la ping-pong, du brouilleur. Et c'est une Elise qui dive pas, pour moi tu perds quelque chose du champion. Vraiment, tu profites pas du kill du champion. Seraph qui a récupéré, ah non, même pas, c'est Dardoch qui va réussir à smite ce carapateur, et voilà, la petite danse. Le petit breakdance Dardoch. Ces petits, voilà, il y a des relents de toxicité. Ouais, Dardoch, c'est le king pour l'instant. Le petit remue, petit vomi qui part comme ça de Dardoch sur Seraph. Là, il est en train de lui dire que je m'assois sur toi. Ouais. Voilà, tu ne peux rien faire, je danse. Je t'étouffe entre mes fesses. Et Seraph qui repartira bredouille sur sa top lane pour affronter Darshan. Ouais, du coup, voilà, toujours pour cette mid lane, Nisqy qui va du coup voilà, wave clear sans problème, l'arrivée d'Ako voilà, pour soutenir un petit peu et Apollo aussi. Voilà. Et, la duo lane qui vient en soutien à Nisqy. C'est très bizarre hein, parce que y a les rotations mid lane sont très tôt et du coup il se passe pas grand chose sur la bot lane qui est souvent laissée à partir en fait, il y a personne. Ça fait bien 2 minutes qu'il y a personne à la bot lane qui push. C'est tout le monde tourne autour de la mid lane pour anticiper un push peut-être mais... Bah y'a aussi bien c'est que Apollo il a la paix hein. Apollo personne vient le live, on a un Apollo qui est solo avec Akio qui a le temps de roamer. Avec pas spécialement de succès puisqu'il a lâché 2 kills comme ça. Mais au moins on a une Caitlyn qui peut farm tranquillement. Bon même si Caitlyn, venir empêcher une Caitlyn de farm dans les 15 premières minutes de jeu, c'est très ambitieux à moins de passer beaucoup de ressources. Ouais c'est assez compliqué. Ouais, pour l'instant il se passe pas grand chose, le Drake a pas été contesté, ni le héros de la faille, on est plutôt voilà sur... Recherche de fight parce qu'il y a beaucoup de prise de vision qui a engagé beaucoup de d'invade. Mais ça ne se solde pas en fight. Je pense que là les CLG ils sont en train de doucement préparer un petit dive bot lane. Il y a une flèche de Stixay qui est prête à partir, ouais. On met de la pink ward, il y a ce dragon des nuages qui est entamé et qui n'est pas du tout défendu. C'est gratuit. Sur un timing back, ouais, sur un timing back de Lyra, c'est complètement cadeau. Lyra qui est vu, hein. Lyra il est suivi de fond en comble, il est vraiment... Peu importe ce qu'il fait, il y aura toujours un counterplay à ça et il pourra rien y faire. Voilà, le Drake du coup des nuages qui a été remporté par les CLG sur le stun de la part de Nisqy qui va rien faire, malheureusement. C'est une ambiance derrière. Il y a un dragon. Yeah, ouais, dragon des nuages. Ouh, attention, lui qui a décidé de lâcher la plaque sanguine. Ah, mais au top, le match-up perd pour Envius. Au bot, la Caitlyn est souvent toute seule et n'arrive pas à mettre de pression. Et au mid, on voit Nisqy qui joue entre ces deux tours. Donc, à partir du moment où tu perds tes 3 lanes et qu'en plus il y a un jungler à 2-0 dans ton équipe, bah l'Envy, ils n'ont pas de contrôle sur la game. Ils n'ont pas le contrôle de la partie. Ils sont obligés d'être dans la réponse. C'est ça en fait, peut-être trouver l'erreur justement des CLG qui peuvent être commises. Mais pour l'instant, voilà, on reste passif, hein, côté, comme tu l'as dit, côté NDS. Et on attend, voilà, on attend peut-être une opportunité. C'est dommage, c'était parti comme ça. Ouais, ça commençait fort, ouais. On s'était ambiancé, voilà. On avait le move botlane était assez intéressant. Ouais, attention, Darshan qui tire directement à utiliser l'ultimate, ça touchera personne. Nope. Dardoch Seraph directement l'Umboro qui a passé pas mal de dégâts. Alors on va tourner. Oh, le dégât de Dardoch. Oh la lanterne pour dire. Il l'accompagne. Le flash. Ouh, la bête capitale. Rek'Sai no Saito. Oh. J'ai l'impression que j'ai joué avec la nourriture un peu quand même. Showdown. Master of the house. Et Aphromoo à domicile qui vient complètement anticiper ce flash out de Seraph. On l'a vu en plus, on s'est dit ouais bon, ils ont un peu trollé à marcher à côté de lui en dandinant des fesses. Et non, ce sera la punition. Nope. Akio voilà, qui va essayer voilà, de prendre la vision comme il le peut. Bon, on a Apollo qui va lui aussi tenter de mettre des dégâts sur la tourelle. Pour l'instant, il ne touchera pas le cocon hein, de Lyra qui ne touchera pas. Lyra n'arrive toujours pas, hein, comme tu l'as dit, à faire ces fameux ganks. Il essaye pourtant, il se donne du mal. Mais partout où il est vu. Pendant ce temps-là, voilà, on va faire le Lyra, le côté Dardoch. C'est gratuit, encore une fois. On a l'info sur Il est toujours à l'opposé de la main. Ouais, mais on sait exactement où il est, donc on fait du reverse. Voilà, il est en train de collectionner des petits galets, des jolis petits galets, voilà. C'est dans sa jungle, il cueille les champignons, Lyra. Il fait son nid, il cocoon. Ah, il décide de l'arrêter quand même. Peut-être qu'il pensait qu'il avait été vu. Et Darshan commence à être gros quand même. Le Black Cleaver qui a été terminé, je pense que là ça va être tout de suite le trade va tout de suite en faveur de ce Kled. Il y a des Tabi. Il y a Tiamat Phage. Il y a un Doran Shield. On peut faire la différence, mais... Bah Seraph en fait, là il y a deux optiques. Darshan il a pris... Oh mais non. Oh là-haut derrière. Le disrespect est total. Et le grappin qui ne marchera pas. le mec en vénaro prend la lanterne, paf. C'est le genre de move. Voilà, Indiana Jones. Il arrive avec ses sabres et tout. Il fait un truc ultra impressionnant, il sort son gun, il lui met une tête et il s'en va. C'est un peu bon, peut-être. Sauf qu'on n'a pas eu le headshot, on a juste eu le disengage, mais au moins voilà. On fait... Oh, attention. Dardoch qui n'a pas peur, directement l'Umboro qui va être abattu sur Nisqy. Nisqy qui a utilisé son flash, il a décidé de revenir dans la fight. Et il a vu les dégâts, il s'est dit... Et pourquoi il a fait ça? C'est mon moment. Non mais je pense qu'il a mal... Enfin... Il a mal anticipé, peut-être mal analysé son burst. Je sais pas si j'ai l'impression que les joueurs anticipent encore un petit peu mal les dégâts potentiels de cette nouvelle Rek'Sai. Ouais. Qui vraiment tape très fort. Vraiment extrêmement mal, ouais, depuis son léger refront, 7.12. Et en tout cas on va prendre... On a pris la T1, on va prendre peut-être la T2 botlane. Et on compense quand même, le pain quand même côté CLG, donc c'est pas perdu. Oh là là. On a quand même largement d'avance, hein. 3K gold à 17 minutes, c'est ok. Ouais, c'est... Attention, c'est notre compo. LDS qui pousse jusqu'à l'inhibiteur. Oh là là, le base race. Et il y a un back un petit peu tard, Aphromoo qui arrive un petit peu tard. La téléportation de Darshan. Et là, ils partent de loin. Et il y a un ulti. Tintin. Non, le cocon de la Lyra qui va être interrompu. Si, voilà. Oui, peut-être. Ils y vont. Et l'arrivée en plus de oui, ça va être l'hécatombe, Ita. Ils vont tous se faire complètement sanctionner. Oh, Darshan qui est directement parti sur la liste de Lyra, mais derrière il y a voilà, oui, qui met énormément de dégâts sur Seraph qui ne pourra rien faire, Seraph qui est bloqué. Il est venu pour mourir, Seraph. Hein. C'est voilà. Et pendant ce temps-là, Dardoch au héros de la paille, tranquillement, tout seul. Ah, il l'a pris, il l'a pris tout seul, ouais. Effectivement, il l'a pris tout seul. Voilà, c'est le problème d'Apollo. Apollo est tellement en retard finalement qu'en fight à ce moment-là de la partie, il fait rien du tout. Et là, directement Darshan qui va pas se faire prier directement la route qui va être lancée. Et Akio qui va décider le flash out. Oh, il s'en sortira vivant. C'est dur. Mais bon, 7-0. 4 cagoles bientôt d'avance. Un héros de la faille qui reste encore à utiliser. Effectivement. On a quand même pris 3 tours, non 2 tours pardon, côté NDS, donc c'est pas si mal, il aurait pu avoir un écart ball beaucoup plus important. Mais bon, pour l'instant ça reste en faveur des CLG. Et Dardoch voilà, qui va profiter de ce buff et back à la base rapidement. Et la R1 toujours en train de farmer. On ne sait pas. Il fait ses choses. Il fait ses choses Lyra. On va voir l'action. Eh, il était là un peu dans la tourmente, ouais. Ils ont mis trop de temps. Bien, ouais. Ils ont été gourmands en allant sur cette T3. Vraiment trop gourmands, la TP, pas la vision. La TP tardive de Seraph, quoi. Je pense qu'il aurait dû annuler à ce moment-là. Pourquoi il est resté. Il y avait plus Apollo, plus Akuo. Il est quand même resté, quoi. Pour se faire ouvrir. Bah, il est venu aider ses... Enfin, ses mates ont fait une erreur et rajoutent une erreur supplémentaire pour essayer d'améliorer une situation. Donc ils ont tiré le pire vraiment de ce petit moment de gourmandise. La barreau, ouais. Quand même bien vu par Akuo, enfin bien anticipé par Akuo. Qui va survivre une extrême. J'attendais encore un truc de Aphromoo, le grab sur le gronk, il se hisse derrière, il arrive à trouver un Flemax range. c'est bien Aphromoo ça. Dardoch voilà, qui a une présence menaçante apparemment, parce qu'on décide directement de reculer. Et Dardoch 3-0-2. Ouais, et on s'emparait direct de la montagne. Et c'est assez axé full dégâts, hein, parce qu'on a du Black Cleaver qui va arriver pour Dardoch. C'est-à-dire que ouais, la tankiness qui arrivera après, mais pour l'instant, c'est une équipe. Il n'y a pas de tank hein, pour l'instant. C'est que du face, c'est que du all-in. Oui, et puis surtout, Apollo est pas vraiment monstrueux, donc on peut se permettre voilà, de partir beaucoup plus orienté dégâts. Parce que voilà, la Caitlyn quand même en avance, c'est assez utile quand même contre ce genre de pique. Et là, Dardoch il est vraiment tranquille, hein. Il a de la cleaver, il va prendre pas mal de dégâts. Et là, directement, Darshan qui décide de go-in sur Seraph. Seraph qui ne respire pas depuis le début de la game. De la Chine, de la part de oh là là, Dardoch, le flash out. Seraph il fait des escapes incroyables. Depuis le début. Depuis le début, les Envy, il y a un truc qu'ils nous ont vraiment très bien montré, c'est qu'on s'y fuir avec classe. C'est vrai que le flash out d'Akuo était assez impressionnant. Et voilà, on décide directement de déployer le fameux héros de la faille pour aller s'emparer de cette tourelle. Ça fait énormément de dégâts quand même. Darshan qui va finir le travail. Tranquillement. J'aime beaucoup Seraph, il fait des petites roulettes, des petits moments zizou, ouais. Il fait des feintes de corps, la chistera, le shabala, la roucoulette. Et à la fin, bon, il meurt. Mais au moins il nous offre là un spectacle digne. C'est du spectacle. Il reste brave et valeureux. Vaillant dans la défaite. Exactement. Et c'est important. C'est si tu meurs, fais-le avec panache. Avec élégance. Voilà. Avec panache, effectivement. Et avec des sous-vêtements propres. Surtout, c'est très important. Il a dû bien les souiller sans vouloir paraître vulgaire, voilà. Et pendant cela, quand même, côté NDS, on a quand même réussi à récupérer la T1 top. Donc voilà, on réduit les cargold un petit peu, même s'il y a quand même 4 cargold de différence. C'est léger NDS, ça reste problématique. Pendant que le prochain break, c'est un break infernal. Break infernal, ça va être dur. Hein. Envy, on avait dit, hein, dans les 15 premières minutes sont essentielles dans ce genre de compo. Vu les dégâts, c'est pas des compos très tanky, c'est des compos vraiment avec énormément de dégâts. Et celui qui passe derrière, en fait, il peut pas encaisser la charge. Il suit sur une flèche de cristal, sur une dispersion d'effet de Nisqy, sur un cocon de Lyra. Il y a une charge qui est derrière et personne ne peut l'encaisser d'un côté comme de l'autre. Et avec cet avantage au gold, les CLG qui se baladent complètement. Et là, les Envy, enfin pareil, il faut attendre l'erreur. C'est le moment d'essayer de prier pour les Nashor. C'est ça, ça va du coup. On va se regrouper au niveau de la mid lane, là, côté NDS. Juste des push, ouais. On est un peu dans le temps mou, il y a le Nashor qui vient d'apparaître. Ça va peut-être être le moment justement, le moment recherché, qu'on recherche tous chez les NA. Le fameux Nashor. Bah j'avoue, moi je suis un peu un touriste aux commentaires des LCSNA. C'est quand tu sais, quand tu survends quelque chose et qu'il y a une déception derrière, ben ouais, si je fais une session de NA où il n'y a pas au moins un fail au Nashor, je t'avouerai que je rentrerai chez moi insatisfait. Bon, attention là, Dardoch qui va du coup se faire stun par le passif du Braum, on va quand même flash out. Et revenir. côté des CLG. Là pour l'instant c'est un peu la bataille hein, pour la vision du Nashor, ça reste quand même relativement important, surtout pas laisser CLG de prendre l'avantage là-dessus. Pendant que là on essaie de trap. Le trap peut-être. Ouais, faut qu'ils se disent leur Kled parce que les CLG c'est bien de tourner autour du Nashor, mais il faut que le speed push soit en place, sachant que là je pense que Darshan n'a pas peur de Seraph. On profite, on force le décalage, on force la suppléation numérique peut-être chez Envy à la botlane. La roquette lancée directement par Stixay, attention la Dardoch qui va arriver en King, ça va être intéressant là-dessus. La téléportation derrière de Darshan qui va arriver, la charge du Kled. On va aller chercher Akio, on va l'ignorer plutôt pour se concentrer sur les carries. Akio qui va faire son TP nature. Mais il est vu directement, Darshan va aller l'exécuter avec sa monture. Écoute, c'est propre, c'est propre. Très belle téléportation de Darshan hein, qui coupe la porte de sortie. Avec un public Enei en folie. Et on va tenter l'engage sur Seraph. Le flash pen capital d'Aphromoo. Et derrière Lyra on n'a pas vu, mais Lyra s'est fait abattre. J'ai plus là donc plus de smite pour Envious. Donc forcément pour CLG c'est gratuit hein, c'est un baron pris assez facilement. Ils sont emparés directement. Et il y a le Nashor qui va être fait, la rafale. Tranquillement. 7K gold d'avance, 24 minutes de jeu. Une compo sans tank pour les Envy, ils pourront pas défendre ce push. Là, alors, déjà la dernière T2 sur la mid lane va tomber, ça c'est 100% garanti, mais ça sera très dur même de conserver tous les inhibiteurs. Là, la partie est plus ou moins jouée. C'est plus ou moins plié, ouais, vraiment. Là, Darshan il commence à être monstrueusement tanky, il va récupérer du coup son Hydro Titanesque, il va être intuable, il n'y a personne vraiment pour l'arrêter. Apollo a pas encore le stuff requis pour justement tomber ce Darshan. D'ailleurs, on a un Wii qui met des dégâts monstrueux, on a Dardoch aussi qui est bien dans sa game, il est vraiment très bien et là je vois mal l'NDS revenir à part sur une grosse erreur hein, des CLG, mais je pense que là parti en plie. Alors tu sur la NDS à Seraph là qui va intercepter, oui mais oui par contre il est pas tuable. Là il le tente, il le tente à 2, 3 contre 1. Est-ce qu'il peut essayer de faire quelque chose? Et le Zonia, la temporisation de l'infini, il tombera. Maintenant par contre il faut courir pour défendre la base, courir pour aller aider Nisqy qui a été laissé derrière par les bros. les fameux bros. Et là pour l'instant ça va être une T3 quasiment gratos là, Nisqy qui va pas pouvoir faire grand chose je pense. Il va tenter de faire son défaite qui va toucher, il suffira pas. Stixay qui n'a clairement pas peur hein, de cette Syndra. Ouais, ils temporiseront un petit peu sur lui, ils temporiseront un petit peu la prise d'inhibiteur, mais ça reste une T3. La T domine, au moins ça fait perdre une minute de buff Nashor. C'est déjà ça, ça fait des golds en moins gagnés justement sur powerplay. Du coup voilà, on perd un peu l'utilité de ce baron buff, mais bon, c'est quand même gagnant CLG, on se comprend une T3, il y a un inhib qui est ouvert, on n'est pas à l'abri d'un Darshan qui peut aller justement chercher de manière assez sneaky cet inhibiteur, donc ça reste quand même ok, même si c'est quand même plus comme tu dis, en tirer plus, ouais. Et derrière, on va essayer de gagner du temps, de repush les lignes, de remettre un petit peu de vision. 10-1 au niveau du score. Et je suis impressionné par... en fait, tu parlais de... Ça s'est un petit peu enchaîné, mais on en venait à Apollo qui commence à avoir le stuff nécessaire. Mais en fait, je vois même pas comment il va faire parce que Dardoch à chaque fois il arrive, il flash in, il full burst Apollo. Il y va avec le front, il fait un coup de boule à Apollo. Même s'il crève derrière, à partir du moment où Apollo est mort, ça va, ils ont supprimé le plus gros danger. Et d'ailleurs, on a Ouïe qui se balade en plein milieu. Il a 4-1 Ouïe. Avec le Banshee maintenant qui est tellement fort sur ce genre de perso un peu all-in, ouais. Sur Leblanc, sur Vladimir, ça correspond tellement bien à ces persos, ce changement de Banshee. D'ailleurs je suis curieux justement que Nisqy ait pas fait ce choix là. Justement de faire une Banshee pour éviter justement une arrow peut-être. Je pense que c'est trop lent pour Syndra. Après il y a beaucoup de tanks, enfin il y a quand même un Kled et une Rek'Sai qui est assez tanky, donc c'est vrai que en fait il a pris sa purge. Ouais. J'aurais dit oui, c'est pas ça. Donc on a le fight qui s'engage, Ita avec un kick qui a été récupéré, c'est Akio qui tombe, Lyra qui est derrière mais il peut pas faire grand chose à part mettre du coup en il décidera d'y aller, c'est du 1 pour 1 pour l'instant, où il est tombé mais il n'y a plus de point de vie, et Darshan qui coupe tout. D'ailleurs c'est Stixay qui va quand même continuer à mettre pas mal de dégâts directement, le flash in sur Apollo, agressif derrière, c'est Seraph qui va venir interrompre grâce à ce succès du ultimate de Jarvan, il pourra pas tenir parce que Stixay va en finir avec solide Stixay, et on va push le Nexus. Est-ce qu'on a le temps de finir? On a encore 15 secondes de buff Nashor, donc il sera quasiment parti après cette première tour. Au pire on peut prendre Inibot, Initop. Ah non, on peut finir, hein, il reste 20 secondes. On va y aller. Akio sera pas un problème je pense face à CLG. Bon, il pourra toujours mettre une fatigue. Mais Darshan qui va quand même aller récupérer les top au cas où, voilà, si on n'a pas la sécurité. Exactement, on respecte quand même voilà, les adversaires, on va pas aller forcer les deux tourelles au Nexus. Non, ils auraient pas eu le temps, il leur reste 10 secondes, ils auraient pas eu le temps. Donc, je pense qu'ils auraient pris une tourelle, mais c'est pas rentable plutôt comparé à faire des 5. Oh, non, là, en faisant ça, la game est quasiment terminée. Bah écoute, Stixay qui a des choses à dire, hein, parce qu'Apollo tout à l'heure était vraiment aussi performant sur H, mais là ça s'est renversé. Il met des très belles flèches, hein, Stixay dans cette partie. On a vu un win de Lyra un peu tendancieux. C'était directement bursté par Wii. Oui, balade. Nisqy a rien pu faire. Lyra se fait sortir, Nisqy se fait go in par Dardoch. Dardoch il est infernal. Surtout personne s'en occupe quoi. Ah, il est au milieu, il se balade. Il met son ulti, bon il finira pas se faire terminer mais bon. Le teamfight est déjà fini. D'ailleurs Stixay qui va flasher de manière agressive. Seraph qui tente un ultime barreau d'honneur hein, sur Stixay mais voilà. Il y avait même pas Darshan en fait en plus dans ce fight. Il était out. Ah il était même pas là, il arrive à la fin mais c'est déjà terminé, c'est-à-dire qu'ils sont punis à 4 contre 5. Regarde les dégâts, 4900 sur H ouais. Stixay et puis surtout Dardoch 3810. Il fait trop mal, non, il fait super mal. Ouais c'est vrai que t'as raison, du coup Darshan n'était pas là, le fameux 0 de dégâts. Mais j'ai vu... Quel screen j'ai vu passer d'un... Ouh attention là directement Seraph qui va du coup enfermer 3 personnes dans son enclos mais c'est pas terminé parce que du coup on a réussi à go out. Côté CLG on va réussir à disengage. J'ai vu passer un screen de Amazing qui a fait 11 points de dégâts dans un teamfight je crois. Oui le fameux 11 ou 10, 17 17 je crois. Et on se pousse là... Ah, c'était le proc de la Sunfire. Petit Gardoum. On se demandait tous, mais comment il a fait pour faire 11 17 points de dégâts, c'est genre... C'est un quart d'auto-attaque. D'accord, c'est un... C'est un type de Sunfire. Bah c'est propre. Une belle contribution. C'est des dégâts en plus, hein, c'est 11 de dégâts en plus. Ah, pendant qu'on a vu hein, du coup les résultats du Baron Powerplay qui était du coup de 3000 gold, 3K2. Ce qui est dans la moyenne. Hein. Ok, bon, alors on a vu quand même un Powerplay d'Envy qui était à 7K gold, qui était exceptionnel. Ça c'est le vrai Nashor Rec. Bien rentabilisé. C'est le vrai, je plie la game sur un Nashor. L'unique, le seul. Et bon, on n'a plus qu'à faire un push au mid, si jamais, ou alors attendre une minute le repop du Nashor qui sera difficilement défendable pour Envius. On est assez reclus dans la base, hein. Même si le wave clear est relativement présent, je dirais, côté Envius. C'est pas fou, mais quand même, il y a quand même une Syndra, une Caitlyn, qui peut rapidement clear les waves. Et une Elise aussi. Voilà, on va directement aller chercher la vision hein, côté de son Nashor, CLG ne perd pas de temps. Il faut anticiper l'arrivée d'Envius pour une éventuelle prise de vision qui pourrait être contestée. Dardoch qui va deny la plante rouge. Et maintenant on se met en position. On commence à remettre la pression, mais voilà, c'est reculer pour mieux sauter. C'est ça. Alors ça, Darshan lui, il a sa TP, il a son ultimate, il peut vraiment rester bot lane, hein, justement gêner Seraph. Parce que je pense que là, si Seraph décide de TP, s'il y a un Nashor qui a lieu et que Darshan décide de pas y aller, Seraph ne pourra pas non plus y aller, parce que sinon il laisse la base quoi. S'il y a un Nashor, il est obligé d'y aller quoi. Oh, c'est un gros all-in. Faut... Et voilà, c'est up. C'est up et il n'y a pas de vision chez Envius, donc ça va être quasiment gratuit hein, pour les CLG. Oh, all-in. C'est le genre de moment, il faut relier. Ouais. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec deux inhibiteurs détruits s'il y a un Nashor? C'est all-in, c'est all-in, all-in. Allez Lyra, allez mon petit. Attention, Darshan au milieu de la mêlée qui prend quand même pas mal de dégâts, mais il tank suffisamment, il est invincible ce Kled. C'est grave, sur oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça m'a l'air très compliqué, est-ce qu'il va rentrer dedans? Il a sa transfusion, on rend 3 juste à la fin de ce fight, il utilisera finalement sur un bébé Corbin. Et on va repartir à l'engage parce que, et ouais, les vagues de creep qui push. Donc là, les Envy, ils ont cette épée de Damoclès. Effectivement, il faut vraiment essayer de voilà, trouver le pick-up sur au moins Dardoch, au moins enlever le smite quoi. Parce que là, si vraiment les Envious n'arrivent pas à prendre des kills, bah, ils vont se faire plus dans la base simplement, ils pourront rien faire, ils ont juste à back et du coup à concéder le Nashor effectivement. Donc là, il faut y aller, il faut trouver une fight, il faut trouver quelque chose. Il faut un flash-in de Lyra, un flash-in cocon il a son flash là, il pourrait tenter quelque chose. Ah, il fait n'importe quoi, en plus il n'y a pas de TP sur Seraph, donc là on montre Seraph qui défend là. Seraph il le monte, donc là forcément bah, ça réengage tout de suite. Lyra, tous les espoirs de tes mates reposent sur ton smite. On a directement Léo qui a été du coup mis sur Akio qui prend énormément de dégâts, qui va du coup désintégrer directement Stixay qui va prendre le kill. Nisqy qui va peut-être tenter faire un pick-up qui se fera bleu. Ouh, le cleanse qui a été directement activé par Apollo. Ça défend pour l'instant. Ouais, ça défend, ça arrive à POC. Pendant ce temps-là, on a Seraph en train d'essayer de tenir. Et c'est compliqué. C'est compliqué tout de même d'essayer de tout gérer. Et les inhibiteurs qui ne devraient pas tarder à repop pour l'instant. Envy tient. C'est pas grave, mais ça tient. La téléportation de Darshan, il y a une ulti qui va arriver. Darshan, il est parfait. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est parfait. Ouh là, oh, dommage. Derrière, c'est Apollo qui va du coup directement finir. Il va se faire abattre par Darshan. D'ailleurs, on va continuer peut-être sur Nisqy. Nisqy qui se fait grave directement à la queue. Ça suffira pas. Le go-in de Dardoch, directement l'Umboro qui va mettre fin au jour du joueur francophone. DND. C'est vraiment pour le principe de pas dire belge. Francophone. C'est-à-dire que c'est fait exprès. La francophonie, la fameuse. Il est un peu français malgré lui. Qu'il le veuille ou non, il est francophone. Il y a un peu de... C'est de ta faute, c'est toi qui as intégré ça. Je n'y crois rien. Et on va récupérer du coup là, les deux inhibs gratuitement. La T3 mid, voilà, c'est terminé je pense là pour ouais, les DS, on pourra pas défendre ça. Ils vont aller au bout, les CLG et s'imposer 2-1 avec un match parfaitement maîtrisé. C'est pas dit, le win de Seraph derrière c'est... Voilà, Lyra est au bout de sa vie. Et derrière Stixay qui résiste, hein, face à le flash out qui a été bien réalisé, attention là, Seraph qui va mourir, il va mourir, double kill de la part de Wii, peut-être Darshan sur son grappin. On va putain le Nexus. Akio qui tente une performance héroïque mais qui ne suffira pas. Ah, quelqu'un donne, The Supermatch donne une très bonne astuce. Donc on dira qu'il est belge quand il perd et qu'il est francophone quand il gagne. Exactement. Et donc malheureusement la première défaite en BO du jeune joueur belge en Amérique du Nord. Effectivement, mais... Je pense que ça va pas refléter. Je pense que l'arrivée de Nisqy va quand même apporter beaucoup de choses à Indios. On l'a vu sur la game de tout à l'heure, ils ont été quand même assez performants ensemble. Voilà, faut leur laisser du temps. Alors que CLG, eux, qui sont plutôt bien. Bah, CLG, oui, c'est confortable. C'est stable. C'est stable, c'est 3ème voilà, au niveau du classement. C'est un résultat encourageant venant d'une team qui est voilà, milieu de tableau. C'est encourageant. Moi, je pense que c'est une team qui faudra suivre de près. Là, on voit Aphromoo, l'homme au hook. Ils sont un peu dégoûtés, hein. Ouais. Le belge qui est un peu dégoûté quand même. Ouais, déception, forcément, c'est un belge qui est déçu. Et du coup, alors on attendra l'interview de fin de game bien évidemment. Ça nous amènera aussi au deuxième BO de la soirée qui ne sera d'autre que Immortals. Dignitas, ça va être un beau match. Je suis un fervent défenseur de Dignitas depuis toujours. Au même titre que les Coast, les Phoenix One et les Enemies. Pas les Coast. Non, ils ont jamais été assez nuls pour que je devienne vraiment fan. D'accord, moi je t'en joue sur le fait que Dignitas, il y a un joueur que j'adore, c'est Someday. Ah bah j'adore ce joueur. Je suis méga fan de Someday. Bon, il y a eu des périodes, c'était un peu la bitch de Smeb sur la top lane. Hein. Voilà, il a perdu quelques trucs, mais... On parle quand même de Smed. Voilà, ça reste un peu le maître de la top lane après, après Oni, malheureusement. J'ai hésité à poser mon casque, à te laisser comme ça, et planter là, et tu vois, genre pour ton premier casque. Je n'ai pas regardé les matchs de LCK de ce matin, je ne sais pas les résultats de Katie qui ont été faits. Comme toujours, même sans regarder, c'est forcément une victoire. Ah, évidemment. Écoute, du coup, ça sort. Bon, pour revenir un petit peu sur ce match CLG Envy, c'était pas mauvais. Envy, on n'a pas trop vu Lyra. Malheureusement, sur ce début de partie, il y a eu un peu trop de pression qui ont été mises. Nisqy l'a mangé un peu de focus aussi. Ouais, et après on s'est fait déborder. Enfin, on avait des match-ups qui étaient vraiment à l'équilibre. C'était à l'équilibre. Et à partir du moment où il y a 1-2 kills qui partent au top, 1-2 kills qui partent au mid, Dardoch a fait mis toutes ses lanes super bien. Akio a essayé de compenser en faisant beaucoup de roaming. Mais du coup, malheureusement, la seule ligne qui était vraiment forte, bah, on avait juste une Caitlyn qui farmait sans mettre de pression. Donc on perd un peu l'avantage de cette Caitlyn en early game. Et en plus Akio, en faisant ses décalages, a lâché deux morts supplémentaires. Donc en fait même l'idée de roamer, qui est pas forcément mauvaise, mais qui reste un pari... C'est une bonne issue, enfin, finalement, quand t'es bloqué au niveau de cette botlane. Non, ouais, ça a été une décision qui a été finalement ok, hein, mais c'est vrai qu'il a été bien intercepté. Mais surtout Dardoch qui a fait un travail monstrueux au niveau du passing de son ennemi, qui a su savoir justement où il était exactement pendant combien d'interviews. After a nice victory there over Envy, you guys have been having a good season for yourselves. You know, struggled a little bit against Immortals yesterday. I wanted to ask you a little bit about that series actually, and how you're feeling about the season so far, and how you felt about what went wrong there. Yeah, so going into the Immortals game, we didn't really play that well as a team. We weren't really playing that well around their timings, and I think that was probably the worst series we've played by far. And we had a meeting after that and really talked about what we needed to work on and the kind of issues we had in that set. And we kind of brought it back together for this set. This set was definitely better. There was still some of those issues where I feel like, you know, when they have five-man and they're like five-man down a lane, we didn't really respond to that correctly. And we didn't really use split push as well as we did in previous seasons. So it's kind of like things that we know how to fix. And I think it's really simple errors, but I think it just comes down to us being more consistent. And that will really be the biggest thing for us to work on towards the end of the split. So how's it been playing, you know, with the Dard duo now that you have Dardoch joining the team? How are you working with him, and how do you feel like he is fitting in with the team? Because, you know, people are talking about how amazing you have been playing this split. Is that just an improvement for yourself, or is some of that to do with a new jungler and the way you're able to play with him? I definitely think a lot of my early game leads I owe to Josh for, like, you know, ganking my lane early, and he's pretty good with understanding like the jungle routing and the pathing and stuff like that, so I don't need to worry about that as much. And I would say working with Josh has definitely been like a really good thing for the team, even though, you know, like you've heard things about on past teams, like how he's had issues with teammates, but I think he's worked a lot on that, and he's improving a lot every week. And I feel like he only has room to grow. So even though it can be difficult, I think that our team is heading into the right direction and getting better. So I'm pretty happy with how things are going. I still think there's a lot to work on, as shown by this series and our series against Immortals, but I definitely think that towards playoffs, we'll definitely be a contender for winning the whole summer split. So heading in the right direction, you're expecting yourself to be at Worlds. You're not going to be at Rift Rivals. You think you'll be able to make it to Worlds? Definitely. I think Worlds is definitely something that I expect for this team, because I went there the last 2 years, and I don't expect this year to be any different. But what I really want to change this year is actually making a difference at Worlds and actually doing something good for NA, because every single time NA goes to Worlds, it's just a complete joke. And I want to change that this year. Well, we'll be looking to see you repeat that 2016 MSI form. Maybe you can make a splash at Worlds. Thanks so much. Congratulations on the win. And we're going to send it back to the guys at the desk. Voilà, retour de Darshan qui disait que ils avaient travaillé leurs points faibles, qu'ils s'étaient améliorés. Ça parlait de Dardoch après, que c'était un joueur en croissance, qu'il s'améliorait de jour en jour et que leur synergie s'améliorait de jour en jour. Là, il disait que les playoffs, ça devrait le faire, et que Darshan, voilà, il est allé les deux dernières années aux Worlds. Il voit pas pourquoi cette année serait différente, mais que cette fois-ci, il voulait que leur présence aux Worlds ne soit pas une blague. Voilà, une blague. L'homme est lucide. Et c'est voilà, ça commence le premier pas vers l'amélioration, c'est de reconnaître ses erreurs. Ça nous amène à notre deuxième BO de la soirée. Ce sera Immortals contre Dignitas. C'est un très beau match à venir. Someday contre Flame. Ce sera après une page de publicité sur Gaming. À tout de suite. So many bones, but nothing's left the scars.